Bienvenue dans cette conférence interactive La science à l'ère du soupçon, qui est co-organisée donc par la plateforme science.be et le magazine Imagine demain le monde. On est donc parti pour une heure et demie d'échange ensemble. On va essayer de faire un échange qui soit le plus dynamique, le plus interactif possible. Alors, il y aura Maxime qui sera aux commandes pour tout ce qui est gestion du chat. On aura un petit sondage en ligne. On a aussi le plaisir d'accueillir Lise Francotte, donc de son agence spécialisée InnerFrog, qui va nous croquer tous ces échanges à travers un principe de facilitation visuelle. On vous distillera ça tout au long de la rencontre. Donc Maxime, qui gère et modérera le chat, rappelle évidemment toute une série de règles de base, mais soyons polis, respectueux, pas d'insultes, pas de pub commerciale, pas de propos haineux. Pas de racisme, mais ça va de soi. L'objectif, c'est de bonifier quand même le débat au maximum, d'essayer de l'alimenter. Donc, n'hésitez pas par vos questions pertinentes et impertinentes. Comme tout exercice du genre, on ne pourra pas répondre à tout, forcément. On va essayer de les distiller au fil de la rencontre. On va essayer aussi d'être dans un débat un peu méta, entre guillemets. Vous l'avez noté, c'est la science ou les sciences à l'ère du soupçon. On ne sera pas focus sur la pandémie stricto sensu. Donc, essayons de ne pas verser dans pour ou contre le vaccin, pour ou contre le masque. Enfin, essayons d'élargir peut-être la focale. Voilà. Alors, pour nous accompagner ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir trois intervenants. Vous précisez au départ qu'il s'agit effectivement de trois personnalités masculines. Vous signalez que c'était un panel mixte au départ, qu'on avait deux intervenantes prévues qui n'ont pas pu se libérer. Donc voilà, on le regrette, on assume le fait qu'il n'y ait pas cette parité. On aurait vraiment voulu qu'elle soit là, mais bon, la qualité des échanges n'en sera pas moindre, je n'en doute pas. Voilà, alors pour nous accompagner ce soir, il y a donc René Réjoisy, qui est professeur d'embryologie et de biologie moléculaire à l'UCLouvain. Auteur et aussi passionné de vulgarisation scientifique. Ses travaux de recherche portent sur l'étude de gènes appelés les gènes architectes. Il pourra vous en parler après, si vous voulez, davantage sur ses recherches. Il anime aussi une équipe de chercheurs à l'Institut des sciences de la vie. Bonjour René, enchanté. Bonjour. Par ailleurs, on accueille Olivier Sartenard, qui est licencié en sciences physiques et docteur en philosophie. Il est chercheur en communication en vulgarisation scientifique. Ça fait 10 ans qu'il a mené une série de recherches à l'étranger. Il est chargé de cours en épistémologie à l'UCLouvain. Il s'est spécialisé dans les liens entre l'activité scientifique et les relations avec la société. Bonjour Olivier, bienvenue ce soir. Bonjour. Et puis le troisième, je vais laisser planer encore un tout petit doute. Juste vous dire qu'il est la tronche en biais. Voilà. Et on reviendra vers lui dans une minute. Aujourd'hui, on va évidemment parler des sciences dans toutes leurs dimensions, parce que depuis le déclenchement de la pandémie, il y a une certaine défiance qui va en grandissant. Enfin, il faudra peut-être que nos contributeurs ne seront pas d'accord avec ce constat. L'heure est parfois au rejet de la raison, à l'antiscientisme, à celui qui crie le plus fort, qui émet des avis tranchés, définitifs, notamment via les réseaux sociaux. On est parfois en attente aussi de vérité absolue, définitive, alors qu'on sait que la méthode scientifique, on se range plutôt du côté de l'expérimentation, de la controverse, du doute, de la complexité, du temps long, tout ce qui n'est pas forcément dans l'air du temps avec le rythme effréné parfois des réseaux sociaux qu'on connaît, immédiateté, empressement, jugement catégorique, parfois du côté de l'émotionnel aussi. Donc voilà, est-ce que tout ça va pouvoir s'articuler avec la science? Alors, les reproches qui sont faits aussi à la science, c'est toujours de dire… Elle est vendue aux intérêts privés, elle est instrumentalisée par les décideurs, elle est incapable, par les temps qui courent, de guider l'action commune, elle est entre les mains d'une petite élite, enfin voilà, etc., etc., etc. Donc aujourd'hui, je ne vous dis rien, je ne vous apprends rien, disons, en parlant qu'il y a une accélération de toute une série de phénomènes de désinformation, de théorie du complot, de vérité dite alternative. Voir un peu comment, dans une démocratie, on va pouvoir recréer peut-être des alliances entre scientifiques et citoyens, comme le préconisait la philosophe Laurence Boucquiot dans le dossier qu'on a édité ce week-end. Comment, finalement, les scientifiques que vous êtes vivez cette période un peu de soupçon? Voilà, le débat va être un peu ouvert.
Mais avant, on va revenir sur la tronche en biais, présenter qui est derrière et puis on ouvrira directement les échanges. À tout de suite. Toujours un petit moment de transition. Qu'est-ce qu'un biais cognitif ? La zététique, c'est quoi ? Pourquoi votre tante Geneviève dit-elle autant d'âneries ? Et pourquoi votre voisin Paul se figure-t-il qu'il comprend tout alors que manifestement il ne comprend rien ? C'est facile, Bled ! J'ai toutes les réponses ! C'est vrai ? Non, j'ai menti. Comme c'est intéressant. Oui, je suis intéressant. Rejoignez-nous, Mandax et moi, dans la tronche en biais, l'émission de l'esprit critique. Et on y fera quoi ? Des expériences. Nous explorerons les limites de notre perception, les défauts de notre rationalité. Nous apprendrons que l'évolution nous a pourvus d'un organe cérébral farci d'imperfections. Le cerveau n'a pas évolué pour que nous pensions avec. Bien sûr ! TF1 nous le démontre depuis bien longtemps ! Nous regarderons comment il est possible d'éviter que nos intuitions et la dissonance cognitive et les influences extérieures ne détériorent notre raisonnement. Mais ce ne sera pas facile. Courage ! Le premier épisode sort bientôt ! À moins qu'il soit déjà sorti. Et nous sommes nous. Ok, voilà, ben donc, qui se trouve derrière la tronche en biais ? Ben, on accueille Thomas Durand, donc, qui est écrivain, biologiste, dramaturge, vidéaste web et vulgarisateur de sciences, qui a cofondé l'Association pour la science et la transmission de l'esprit critique. Et il est effectivement un des fondateurs de cette chaîne YouTube, la tronche en biais, consacrée à l'esprit critique, mais aussi à la zététique. Bienvenue Thomas. Merci. Peut-être nous dire en deux mots ce qu'est la zététique. Pour un débat comme ce soir, ça peut être intéressant. La zététique, c'est l'autre nom, c'est le nom qu'on donne en France au scepticisme scientifique. C'est l'art du doute pour Henri Brock, qui est un prof de physique. En gros, c'est approcher prudemment les questions sur lesquelles on entend des gens affirmer des choses un peu vite, un peu trop vite. Et 2020 nous a montré que beaucoup de gens voulaient affirmer des choses beaucoup trop vite. Donc voilà, nous, on appuie sur le frein. D'accord. Ok, ben. Merci. Alors, on a déjà deux premières questions. On en a beaucoup, hein, mais on va peut-être partir des vôtres. C'est ce qu'il y a de plus interactif, comme on l'avait promis. La première, comment pourrait-on concevoir d'avoir un esprit critique sans connaissance ? Alors, qui va se jeter à l'eau sur cette question ? Esprit critique et connaissance ? Prenez peut-être. Oui, je veux bien, mais je sens que de toute façon les collègues et amis vont embrayer. Mais en fait, c'est une question évidemment qui est très intéressante, parce que je pense que il faut, pour pouvoir développer son esprit critique, essayer de comprendre comment la science fonctionne en fait. Comment est-ce qu'on génère une connaissance scientifique et qu'est-ce qui fait qu'une connaissance scientifique n'a pas nécessairement le même statut qu'un avis, qu'une opinion, qu'une connaissance que l'on va dire subjective. Alors, c'est clair que c'est très compliqué de comprendre comment la science fonctionne sans avoir un minimum de connaissances scientifiques, c'est-à-dire avoir un minimum de culture scientifique. Mais si on voit ce qui s'enseigne dans les lycées et les collèges, il y a déjà des bons cours de sciences, et donc il faudrait, si je puis dire, mettre côte à côte des cours de sciences et des cours d'épistémologie, hein, donc de construction des connaissances. Donc, bien sûr, mais on n'a pas besoin d'être hyper pointu et hyper savant en termes de connaissances scientifiques pour comprendre comment la science fonctionne. Olivier, je vois que vous acquiescez. Oui, tout à fait, mais je rejoins assez bien René, bien que j'aurais tendance même à ajouter, à aller un peu plus dans le sens, que je pense que le contenu peut être vraiment, vraiment minimaliste. C'est-à-dire que je pense que pour bien comprendre les ressorts de ce qui va faire une connaissance justifiée, une connaissance fiable, pour bien mettre le doigt sur les ressorts de la manière dont les scientifiques fonctionnent et ont constitué l'édifice de la science comme une entreprise communautaire qui crée de la connaissance, je pense qu'on n'a pas nécessairement besoin d'avoir une compréhension des contenus. On peut nous proposer des contenus comme exemple,
notamment pour illustrer, par exemple, la bonne utilisation d'une méthode de justification versus une utilisation fallacieuse de cette technique de justification qui nous conduirait vers les pseudosciences. Mais le contenu pourrait être là à titre un peu d'exemple, un peu d'illustration. Et donc, je ne pense pas, et ça rejoint René, qu'on a effectivement besoin d'avoir fait 17 années d'études scientifiques pour pouvoir appréhender et apprécier effectivement l'esprit critique. Par contre, pour exercer son esprit critique dans la vie de tous les jours, sans connaissance, on est mal barré. Parce que on n'est pas expert de tout, donc il y a peu de sujets sur lesquels on connaît les choses. On est obligé de déléguer sa connaissance à des gens qui savent un peu. Et si on n'a pas un minimum de connaissances pour distinguer qui sont les vrais experts des faux, au minimum ça, on est mal barré. Et le fait est que sur plein de sujets, moi, je n'ai pas cette compétence-là. Donc, il y a des sujets sur lesquels je ne me prononce pas. Et donc, je suis sceptique d'un point de vue, parce que je sais que là-dessus, je n'ai pas d'avis. Mais être sceptique, ça demande un petit peu d'entraînement, quoi. On n'est pas tellement... Donc, avoir des connaissances, en fait, c'est hyper utile. Donc, il ne faut pas que l'école devienne juste un lieu où on apprend comment penser. Il faut quand même des briques pour... Voilà, donc, ce n'est pas ce que vous dites, mais je complète parce que ça pourrait être compris comme ça. Bien sûr. Ouais. Alors, on a ici une question qui nous demande de redéfinir finalement ce qu'est l'anti-science, qui est une vieille histoire. Est-ce que l'un d'entre vous veut... vulgariser cette question de l'anti-science qui peut prendre des formes très diverses de l'extrême gauche à l'extrême droite, de formes religieuses, des formes... À l'extrême centre. À l'extrême centre. Peut-être sur l'anti-science. Olivier, oui ? Oui, éventuellement. Ben, je pense que vous avez bien fait de souligner le fait qu'il y a plusieurs formes d'anti-science. Hein. Je pense qu'il faut être assez au clair là-dessus, que c'est très protéiforme, malheureusement. C'est peut-être aussi ce qui la rend difficile à cerner. Mais il y a par exemple une anti-science très compréhensible qui est née de la peur ou de l'angoisse d'effets indésirables de technologies dont on ne connaît pas bien les effets possibles, qui est assez compréhensible, assez raisonnable. Mais ça, ce n'est pas vraiment celle qui est dangereuse ou qu'on pourrait considérer comme dangereuse aujourd'hui. Il peut y avoir une anti-science très dogmatique, un dogmatisme religieux, idéologique, ou qui se poserait comme anti-science parce que, je dirais, assez hostile à l'idée que la science puisse avoir une autonomie et donc venir se faisant contester le dogme par des approches diverses. Ça, c'est aussi vieux que la science. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler, même si on pense à la science moderne, 16e, 17e siècle, on parlait pas d'anti-science avant parce que la science était marginalisée. Je veux dire, le discours dominant, ce n'était pas le discours scientifique. Et donc, quand on parle de montée d'anti-science aujourd'hui, il faut être assez conscient qu'on vient d'une situation où l'anti-science était sans doute beaucoup plus dominante, puisque le discours dominant, précisément, était un discours plutôt dogmatique, typiquement théologique, et qui a eu du chemin pour arriver à une autonomisation de la science et à cette remontée de l'anti-science fondamentalement aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut déjà au moins distinguer ces deux formes-là. Et puis alors, il y a aussi la troisième forme, qui est plutôt dans la forme du conspirationnisme, ou des pseudosciences, où là, vraiment, il y a fondamentalement une idée de mimétisme trompeur. Donc, il y a l'idée de se parer des atours de la science, faussement, quelque part, et c'est un peu paradoxal, pour pouvoir la discréditer, pour pouvoir la critiquer, avec des intérêts souvent et un agenda sous-jacent, souvent inavoué, évidemment. Quelqu'un veut ajouter quelque chose, Thomas, René ? Il y a le mot pseudoscience qui a été prononcé, c'est pas la même chose. Hein. La science a quand même une aura de compétences, de fiabilité que des gens veulent mimer, hein, comme a été dit. Et regardez la pub. Dans la pub, on a des gens en blouse blanche. Donc, c'est la preuve que les gens savent que ça marche. C'est un signal qui marche fort. Il y a une érosion de la confiance des gens dans les élites. Le scientifique, il tient encore un peu le cap pour l'instant. Donc, fatalement, il est le sujet des assauts de ceux qui veulent employer la science pour leur discours. On peut aussi avoir des industriels qui exploitent la science pour vendre un produit ou pour faire croire qu'il n'y a pas de consensus quand on en a un, etc. On a vu ça avec le tabac, par exemple. Donc, c'est un lieu de lutte d'intérêt et de pouvoir aussi, parce que parler pour la science, ça fait bien. Alors, il faut s'en garder. Ce n'est pas ce que je suis en train de faire. Je ne pense pas que mes collègues le font non plus. Mais on peut être accusé d'être scientiste, du coup, à l'inverse. Mmh. Et alors, si quelqu'un veut dire deux mots là-dessus, parce qu'on n'est pas censé être scientiste ce soir. En fait. C'est intéressant ce que nous dit Thomas, parce que c'est exactement le petit mot que je voulais rajouter. Il faut peut-être faire une distinction et qui est utile entre anti-science et anti-scientisme, parce que le scientisme, c'est un excès en termes de reconnaître, entre guillemets, les pouvoirs ou la force de la science. Donc, le scientisme ultime voudrait dire que la science peut tout expliquer, mais non, la science est évidemment une construction humaine, bien sûr, une construction
qui est en évolution permanente, comme on l'a déjà évoqué, pour générer des connaissances, mais qui ont un certain statut. Donc, par définition, la science ne va jamais tout expliquer. Donc, il faut faire bien attention entre anti-science et anti-scientisme. Donc, ce n'est pas la même chose. Et je crois qu'effectivement, il faut se méfier des scientistes au même titre que des pseudo-sciences ou des anti-sciences. Oui. Merci. On a une question ici sur les rapports, plutôt les antagonismes parfois entre le pouvoir et la science. Et l'internaute fait allusion aux déclarations du président, enfin de l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, sur l'usage de l'eau de Javel pour chasser le Covid. Voilà, ces rapports pouvoir-science, c'est aussi aussi vieux que le monde. Oui. Qui veut réagir parce que je n'ai pas mon écran. Ouais. Olivier, tu voulais réagir? Éventuellement. Je dirais qu'il faut garder à l'esprit que quelque part. Ah, vous te coupez. Voilà. Pardon à l'esprit de silence. Je dirais que lorsque la science est constituée en entreprise communautaire, essentiellement plutôt la fin 18e, 19e siècle, elle a eu un souci majeur, c'est de se maintenir une certaine autonomie. Donc ça, c'était important. Et l'autonomie, ça veut dire par rapport évidemment au domaine religieux, ça veut dire par rapport au monde politique, ça veut dire par rapport aussi à la réalité économique. Il faut se rappeler cette petite anecdote qu'on aime bien rappeler, que quand la British Society s'est constituée, elle était uniquement, je dirais, dédiée à des gens qu'on appelait bien nés. Donc c'est, je dirais, éthiquement et sociétalement, c'est catastrophique comme posture, mais c'est essentiellement des gens assez riches, puisque précisément comme cela, ils n'étaient pas sujets à des influences industrielles, on ne pouvait pas les acheter quelque part, ils gardaient une certaine autonomie de pensée, ils pensaient à la vérité sans se préoccuper éventuellement d'intérêt pécuniaire. Et donc, je crois que ça, c'est important de penser et de garder à l'esprit que la science, elle a un besoin constitutif d'autonomie à cet égard, notamment au regard du monde politique, puisque c'est ça l'enjeu de la question ici. Mais c'est assez clair que c'est un peu naïf de penser que la science pourra, contre vents et marées, maintenir une autonomie absolue. La science, elle se fait en société avec des humains, quelque part, qui ont des couleurs politiques, inévitablement, qui sont attachés à des institutions, qui parfois ont des couleurs politiques, inévitablement. Et donc, ce faisant, il y a une certaine porosité, une certaine perméabilité de la science qui se veut être autonome par rapport à un discours notamment politique ambiant. Et je pense que ce serait naïf de nier cette réalité, mais je ne pense pas que c'est pour autant que la science est automatiquement dévoyée. C'est-à-dire que je pense qu'il y a moyen de maintenir une autonomie suffisante pour garantir la fiabilité des contenus de la science. Mais évidemment, ça ouvre la porte à des abus, et je pense que des abus, il y en a eu, et quelque part, là, la science a un peu tendu le bâton pour se faire battre. Oui. Mais je pense qu'il faut, de nouveau apporter des distinctions. Donc, je m'inscris tout à fait dans ce que Olivier vient de dire. Mais il faut peut-être faire la distinction entre, d'un côté, pouvoir et, d'autre part, décision de société. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il faut aussi faire la distinction entre science et technologie. Et donc, l'articulation qui est difficile, c'est de savoir comment est-ce que les scientifiques et les experts dont on a tant parlé ces 12 derniers mois vont être entendus ou écoutés pour amener le décideur politique à prendre une décision, quelque chose d'opérationnel dans la société. Et donc, de ce point de vue-là, il y a nécessairement, à un moment donné, une articulation qui doit se mettre en place, une articulation qui est positive. Autre chose, alors, évidemment, ce sont les abus et typiquement des propos ou des décisions qui sortent du champ scientifique. Donc, il doit y avoir une articulation, à un moment donné, de la science à la technologie, et puis de la technologie à la décision politique. Alors, elle émane du pouvoir, elle émane de la société civile, ça c'est encore un autre débat. Et donc, science, technologie, pouvoir et décision politique, ce n'est pas nécessairement des choses à confondre, quoi. Thomas, oui. Il y a une nuance qu'on n'a pas rappelée, mais je pense qu'on a à l'esprit, c'est que la science a un rôle descriptif. Elle décrit le réel, alors elle fait ça aussi mal qu'elle peut, aussi bien, hein, c'est pas évident. Et puis, il y a un rôle qui est prescriptif, c'est qu'est-ce qu'on décide de faire. Et ça, c'est, en démocratie, c'est censé être les élus ou les citoyens qui prennent ça. Et la science, en tant que citoyen, les scientifiques ont un avis, mais leur avis n'a pas influé sur les résultats de leurs recherches. C'est toujours un petit peu faux, mais comme les avis divergent entre eux, ils s'annulent les uns les autres. Donc, moi, je ne trouve pas que la science soit particulièrement suspecte à ce niveau-là. Mais si on ne la surveille pas, on ne saura pas. Donc, il faut la surveiller tout en ayant confiance. Si je peux rajouter quelque chose sur ce que Thomas vient de dire, je pense qu'il est tout à fait juste. Et c'est notamment le fait
que, étant entendu que la communauté scientifique a pour mission, quelque part, de promouvoir en son sein une certaine diversité, alors ça peut être une diversité de genre, ça peut être une diversité de position culturelle, il peut y avoir des scientifiques qui vont travailler en Afrique du Sud, en Asie, aux États-Unis, donc dans des régimes politiques de pouvoir très différents, le fait même qu'ils arrivent à converger sur certaines descriptions, comme le disait Thomas Dumont, est plutôt bon signe que, quelque part, ils ont réussi à effacer, gommer, si vous voulez, les influences qui auraient pu être purement d'origine culturelle. Oui. Et c'est, je pense, la meilleure garantie du fait que, quelque part, cette autonomie épistémologique, donc relative à la qualité de la connaissance, peut être maintenue, même s'il y a une porosité, et qu'elle est là, et qu'on essaie de s'en départir. Je vous suis bien, mais elle n'empêche pas, si on prend, par exemple, le cas des travaux du GIEC, qui est un exemple... Qui a un certain consensus, plus que ça, largement démontré sur l'état d'urgence climatique, ça n'empêche pas le climato-sceptisme, le climato-négationnisme et tout ce dont on parlait au début de cet entretien. Quoi. Mais qui n'est pas d'origine scientifique, bien souvent. Oui, c'est ça. C'est plutôt marginalisé dans la communauté scientifique. Alors, évidemment, ils vont trouver 3 experts qui sont d'accord avec eux, et ils vont dire que c'est les meilleurs du monde. Sauf que nous, on en a 4000 ou 6000 ou 20 000 qui disent l'inverse. Et puis bon, bah, ils publient au moins autant, voire plus, voire mieux. Donc le problème, c'est que les gens commencent par croire. Puis quand ils croisent un expert ou quelqu'un qui est pro, qui pense comme eux, ils disent « Ah, lui, il est bon ». Mais il est bon que parce qu'il pense comme eux. Hein. Oui, c'est ça. Mais si on avance un peu dans le débat, la question de savoir comment est-ce qu'on peut déconstruire une connaissance pseudo-scientifique, il faut la faire en se référant précisément au statut de la connaissance scientifique et la manière dont on construit. Et c'est quand même très souvent des questions de logique, en fait. Il y a énormément de raisonnements retors où on fait passer des corrélations pour des relations de causalité, par exemple, hein, dans le discours pseudo-scientifique. Et donc, je pense que dans un vrai débat scientifique, où on peut effectivement travailler sur la remise en question des vérités, entre guillemets, hein, temporaires, scientifiques, il faut le faire. C'est d'ailleurs au cœur de la science, de remettre toujours en cause les connaissances qu'elle a générées. Et donc, si on fait une remise en question du discours scientifique ou pseudo-scientifique, il faut le faire de manière scientifique. Et le pseudo-scientifique, en général, ne le fait pas, en fait. En général, il ne le fait pas. Ben, évidemment, enfin, et donc, si je reviens au tout début, la toute première question que vous avez posée, enfin, qu'un des auditeurs à poser, et quand j'ai dit qu'il ne fallait pas nécessairement énormément de connaissances scientifiques pour comprendre comment fonctionne la science, bon, c'est vrai, et Thomas a raison, il faut peut-être un peu nuancer ça, mais la chose peut-être la plus importante, c'est de comprendre comment est-ce qu'on construit un raisonnement, comment est-ce qu'on établit des chaînes causales, des relations de cause à effet dans le discours scientifique. Et ça, on peut même l'analyser, on peut analyser le discours politique, hein, au sens de la construction logique du discours, du raisonnement, etc. Et c'est là où on peut, dans les débats politiques, c'est super intéressant de voir comment on tire des pseudo-vérités, d'associations, mais qui sont des associations qui ne sont pas du tout des relations de cause à effet. Mais alors on extrapole, on dit qu'il y a une relation de cause à effet, et donc ceci est correct, et donc c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Voilà, donc déconstruire le discours. Et c'est l'exercice qu'il faut faire à l'adresse des pseudo-scientifiques, quoi, des sceptiques radicaux. Hein, parce qu'il y a le doute que la tronche en biais cultive très très bien, hein, la zététique, mais c'est un doute qui doit être méthodologique, un doute qui doit être construit. Voilà. Il faut douter avec mesure. Parce que voilà, le doute est un outil de la science, mais c'est aussi un outil de communication parfois. Donc, il faut savoir faire attention. Et puis, du côté des pseudo-sciences, surtout le problème, c'est qu'eux, ils affirment qu'ils font de la science. Et on sait bien que la démarcation entre science et pseudo-sciences, c'est toujours compliqué, en fait. Parce que quand on n'est pas expert d'un sujet, quand deux personnes viennent me dire que pour telle maladie, il faut ceci ou il faut cela, et que les deux sont professeurs, qui viennent de Marseille, par exemple, je ne sais pas, et qui parlent très fort, ben moi, je les écoute. Et qu'est-ce que je fais ? On l'a vécu en direct, on a beaucoup souffert. Enfin, je sais que dans le milieu sceptique et vulgarisation, c'est une année horrible pour toutes les raisons, et pour celle-là en plus, parce qu'on se dit, mince, il y a un signal fort qui est envoyé que, normalement, quand un scientifique parle, il transmet dans sa manière de parler toute la prudence épistémique
qu'il a dans sa méthode pour distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux. Et bon, Didier, pour le nommer, hein, bonjour Didier, a parlé exactement comme un gourou depuis le début. Donc depuis le début, moi j'espérais qu'il avait tort, parce que s'il avait raison en parlant comme un gourou, on est foutu. Il se trouve que on a de la chance, malheureusement ça ne marche pas, mais heureusement ça ne marche pas. Vous voyez, donc on n'est pas armé. Si jamais dans le monde scientifique, eux ne font, parce que moi je suis hors science maintenant, je suis à côté, si eux ne font pas le ménage entre eux pour dire telle personne qui est dans le métier parle n'importe comment, fait n'importe quoi, et il faut sanctionner ça pour pas que ça continue, on est foutu. Parce que les gens normaux qui ne peuvent pas passer leur vie à tout lire parce qu'ils ont un petit truc utile à faire à côté, ne peuvent pas déployer l'énergie pour distinguer est-ce que c'est Didier qui a raison, est-ce que c'est Raoul, bon, ou autre chose. Vous voyez ce que je veux dire, et on ne peut pas demander aux gens en fait, de ces efforts-là, ce n'est pas possible. Oui, réaction de l'un ou de l'autre, puisqu'on essaie d'avancer par étapes. Oui, dire que je suis vraiment, vraiment bien, bien d'accord avec Thomas. Je crois que ça rejoint ce que René proposait au début, c'est-à-dire qu'effectivement, entre XY qui dit c'est la chloroquine et un autre qui dit c'est ceci, effectivement, le public a pas, et le public et nous, je veux dire, a pas forcément les moyens de savoir. Par contre, du coup, si on enseigne ou si on éduque plutôt, je pense, et dans la vulgarisation aussi, on arrivera peut-être à comment penser la vulgarisation, à reconnaître justement ces indicateurs de fiabilité qui font que alors, ce n'est pas que la blouse blanche, ce n'est pas que le diplôme, il y a d'autres indicateurs qu'on peut exploiter. Je pense qu'on peut déjà un peu aider, en tout cas, le public à sensibiliser, quelque part, à reconnaître ces indicateurs dans différentes communications. Et je pense qu'il faut aussi sensibiliser les scientifiques eux-mêmes à rendre saillants ces indicateurs, à les rendre visibles. Et ça, je pense, malheureusement, il y a des scientifiques qui ne le font pas bien, mais ça fait qu'ils le font bien. Là, la personne en question dont Thomas a parlé, était bien, malheureusement, ne le faisait pas très clairement. Mais ça devrait déjà nous mettre la puce à l'oreille. Quelqu'un qui se refuse de jouer ce jeu, de rendre assez claires les raisons pour lesquelles sa pensée est justifiée, par exemple, et ça, c'est très, très louche. Ça devrait faire sonner nos alarmes épistémologiques qu'on devrait, quelque part, avoir acquises et avoir appris à un certain moment dans notre éducation, ce qui fait un peu défaut, mais ça, on pourra peut-être en parler à un autre moment. Donc, on progresse pour contrecarrer, finalement, ce mouvement, s'il existe, mais qui se manifeste de diverses manières, déconstruire, avoir de la méthode, avoir les vulgarisations scientifiques. Est-ce qu'on a encore peu parlé des médias, on devrait en parler un peu plus tard, et des réseaux sociaux, mais on a une question suivante qui nous est posée précisément sur la place des sciences dans l'enseignement, qui reste quand même une base importante, comme l'a rappelé René. Alors la question est, la formation des enseignants ne manquait pas de repères et de contenu scientifique, sous-entendu, c'est sur les bases, voilà, des enseignants, peut-être de la maternelle jusqu'à la fin du secondaire, est-ce que se construit progressivement la pensée critique du jeune, est-ce qu'il n'y a pas là des choses à améliorer? René, oui? Oui, donc évidemment, il y a toujours moyen de tout améliorer, mais c'est clair. Mais bon, moi je pense, je connais pas évidemment les programmes de formation d'enseignement des instituteurs, etc., etc. Je connais mieux évidemment les biologistes, les physiciens, les chimistes que nous formons et qui vont devenir plutôt les enseignants du secondaire supérieur. Voilà, moi je crois qu'ils ont une formation scientifique qui est complètement solide. Par contre, et c'est pas uniquement les enseignants, c'est aussi nos propres étudiants, hein, et ceux qui viennent faire de la recherche dans mon laboratoire, il y a quand même des choses qui devraient être ajoutées au programme sur justement la construction de la connaissance scientifique. Donc en fait, je suis surpris de voir que beaucoup de scientifiques qui sont très très bons ont beaucoup de difficultés à expliquer comment ils font bien ce qu'ils font bien. Et donc peut-être plus d'épistémologie, plus de logique, plus de cours qui permettent de comprendre comment on construit un raisonnement et comment on construit une connaissance, quoi. Olivier, oui. Oui, moi je veux réagir sur ce que dit René. Je suis de nouveau en phase, on est souvent en phase. Et je pense qu'il y a quelque part un modèle qui a été incorporé, qui est un peu le modèle par défaut, qu'on appelle parfois le modèle de la percolation. C'est un peu l'idée que si on donne des cours de sciences aux gens,
ça va percoler la compréhension de comment la science marche. Ça va percoler l'épistémologie, la logique, tout ce dont René parle. Et en fait, les études en sciences d'éducation ont tendance à montrer exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on a beau donner des cours de sciences et de sciences et de sciences et de sciences, si on ne donne pas des éléments, comme René les a mentionnés, de ce qui fait que la croyance est justifiée ou que ce qui fait qu'elle se constitue en connaissance, etc., etc., ça ne va pas venir naturellement. Ce n'est pas un bonus qu'on gagne, je dirais, automatiquement en faisant de la science. Pour ça, il faudrait avoir des enseignements dédiés. Alors, ce n'est pas forcément un cours à côté, ça peut être incorporé à un cours de science, d'avoir des éléments d'épistémologie ou logique, je pense que ce serait important. Et juste pour une petite anecdote, moi, j'enseigne parfois à des étudiants de master en médecine, donc déjà des étudiants qui sont avec un parcours scientifique derrière eux depuis l'école jusqu'à l'université pendant plusieurs années, et j'ai des étudiants qui découvrent le principe du peer review, par exemple, à ce moment-là. Et je me dis, mais ça, comment est-ce que c'est possible? Parce que le peer review, c'est une des pierres angulaires de ce scepticisme dont on a parlé, du scepticisme organisé de la science. C'est comme ça qu'on le matérialise dans l'institution scientifique. Et on peut avoir 22, 23 ans et être d'ailleurs un étudiant brillant, ce n'est pas le problème, et bien s'en sortir, et être aussi, je dirais, pas ignorant, c'est pas péjoratif, mais en tout cas inconscient de vraiment la réalité banale de la pratique scientifique. Et je me dis que ça indique quelque part qu'il y a quand même un certain déficit dans la formation, qui n'est pas un déficit de formation scientifique à proprement parler, mais plutôt un déficit d'épistémologie, de logique, de sociologie de la science et ce genre de choses. Mais c'est ça, parce qu'en fait, le problème, c'est que être féru de science, bien, savoir quelque chose, c'est savoir comment on sait qu'on le sait. Et toute cette étape-là, elle n'est pas dans les enseignements. Très peu, peut-être maintenant, ça rentre un peu. Je ne sais pas comment c'est en Belgique ou en France, je ne suis pas expert en pédagogie, mais je pense que cette brique-là de « ça, c'est une connaissance, et voilà pourquoi c'est une connaissance et pas juste une opinion », c'est quelque chose dont on a besoin pour après, quand quelqu'un arrive au réel de tous les éléments de l'autorité scientifique, si, en dehors, malgré cela, on détecte qu'il n'a pas il répond pas aux exigences de cette méthode de comment on produit les connaissances, alors on peut avoir un moment de recul qu'on n'aura jamais si on s'arrête à la science, c'est des gens qui prouvent des choses qui sont vraies. Et le mec arrive et il dit bah, je suis scientifique, voilà, j'ai 40 ans de carrière, bah, croyez-moi, quoi. Bah, en face, on n'est pas armé pour le faire. Donc, si la science est vécue comme une autorité, d'une part, on ne la comprend pas et on est manipulé, et deuxièmement, on va commencer à vouloir, avec raison, se rebiffer. Parce que de quel droit on me forcerait à croire que la Terre est ronde, monsieur? Bah, elle est ronde parce qu'il y a des raisons de le penser. Mais si on vous dit c'est comme ça, c'est pas parce que la science a parlé, alors les gens qui se rebiffent ont raison. Thomas, je veux vraiment en continuer sur ce que vous venez de dire. Si la science est vécue comme une autorité, alors on a des soucis. Et c'est vrai que dans les crises de confiance à l'adresse des experts, on a dit on ne va pas faire une fixation sur la crise que nous avons vécue, mais il y a un peu de ça, quoi. Il y a un peu de ça. Donc, il faut expliquer que la science a des limites, que ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas tout qu'on ne connaît rien. Pour beaucoup de personnes, la science assène des vérités qui sont indiscutables. Or, c'est tout le contraire. Hein, l'œuvre du scientifique, c'est une œuvre de remise en cause et de construction de doutes pour prouver que le contraire de ce qu'on pense est impossible. Et alors, on peut éventuellement montrer que quelque chose n'est pas possible. Mais une vérité définitive, non, ça c'est clair. Donc c'est très très important ça. Dans la relation entre la science, les scientifiques, je vais dire, et la société, quoi. Mais est-ce que, pour enchaîner là-dessus, René, est-ce que ce n'est pas non plus terriblement humain d'avoir besoin, notamment dans une période qu'on traverse aujourd'hui, bourrée d'incertitudes, d'avoir des repères, d'avoir des vérités relativement établies, pour pouvoir un peu se projeter, etc. Et par ailleurs, du côté des décideurs, je fais un peu l'avocat du diable, là, mais c'est une manière pour eux de légitimer le discours en disant « les études scientifiques ont incontestablement prouvé que… » etc. Alors, est-ce qu'il n'y a pas là une difficulté auquel on va devoir d'ailleurs s'habituer, puisqu'on risque d'être confronté à de nouvelles et autres incertitudes, notamment climatiques, à l'avenir? Oui, c'est sûr. Mais dans ce que vous venez de dire, il y a deux choses qui peut-être sont contradictoires. D'un côté, c'est avoir des repères et avoir effectivement des certitudes, mais des certitudes qui ne sont pas absolues. Et d'autre part, on parle de incontestablement prouvé. Quelque chose qui est incontestablement prouvé, bonjour. Par contre, des repères, oui. Des bases objectives de raisonnement pour prendre une décision, oui. Mais des certitudes, non, il faut vivre avec l'incertitude, il faut vivre avec le risque, et il faut vivre avec l'incomplétude nécessaire de la science. Donc, voilà. Alors, dans le cas de crise, ici, quand il s'agit de prendre des décisions,
pour la société, on a un autre problème et une autre difficulté, c'est qu'on est à la croisée de différents champs scientifiques. Hein, donc, si on fait juste un petit zoom là sur la pandémie, il y a d'un côté des biologistes moléculaires qui essaient de comprendre comment fonctionne le virus. On a l'épidémiologie qui est avec des outils de modélisation, de prédiction, etc. C'est une science qui est orientée sur la santé publique. Et puis, on a le médecin qui pratique l'art de soigner et qui a affaire à chaque patient qui est singulièrement individuel. Et c'est à la croisée de ces trois chemins qu'à un moment donné, le décideur politique veut dire, bon, ben, j'essaye de prendre l'ensemble et d'avoir la décision a priori la plus raisonnable et la plus sensée. Et si a posteriori, il s'avère que ce n'était peut-être pas la bonne décision, il ne faut pas regretter ça. Parce que quand on a pris la décision a priori, c'est toujours facile de juger a posteriori. Mais a priori, avec les éléments qu'on avait en main, on a pris des décisions qui étaient sages, par exemple. Hein. Mais donc, oui, c'est ça, voilà. Mais pas incontestablement prouvé, ça c'est de nouveau, ça revient à la science autoritaire, quoi. Si je peux rajouter juste un petit détail sur ce qui vient d'être... Oui, allez-y Olivier, allez-y. C'est pour rejoindre ce que René venait de dire, en ajoutant peut-être une petite pierre venant plus du champ de l'épistémologie. On a tendance à dire en épistémologie, la science, ce n'est pas un discours vrai. Ce n'est pas un discours qui veut le vrai ou ce n'est pas un discours qui veut le certain. Vrai au sens logique du terme, quand c'est vrai, ce n'est pas faux, c'est certain, ça devient le dogme, ça devient le scientifique qui rentre chez lui, il met sa veste au placard, il a fini son travail, si c'est vrai, il a trouvé la vérité, il n'a plus de travail à faire. Donc la science, quelque part, ce n'est pas le discours qui dit le vrai. La science, c'est le discours le plus fiable. Je pense que c'est une notion beaucoup plus subtile. On peut la traduire, la fiabilité, en termes de c'est celle qui a le plus de probabilité de s'approcher du vrai. On pourrait dire quelque chose comme ça, vers un horizon vers lequel on tend. On ne l'atteint jamais, mais on s'en rapproche. Et donc, quelque part, pour le dire facilement, la science, c'est le discours sur lequel il faudrait parier, si on était rationnel. Discours sur le monde, hein, sur la nature, sur le monde naturel, pas discours sur la morale, sur la religion. Là, c'est en dehors du spectre méthodologique de la science. Ça, ce serait être scientiste de prétendre que la science a quelque chose à dire là-dessus. Mais sur les phénomènes naturels, que ce soit le coronavirus, le phénomène climatique ou la vaccination ou ce qu'on veut, c'est le discours sur lequel rationnellement il faudrait parier, puisque précisément c'est le discours qui a été conçu et qui a été construit, qui a été pensé de manière à maximiser sa fiabilité, au contraire d'ailleurs de d'autres types de discours. Et si je peux rajouter juste une petite distinction conceptuelle qu'on fait souvent en philosophie des sciences et qui me semble éclairer bien la problématique actuelle en particulier, c'est de faire la distinction entre d'une part la science établie, entre guillemets, l'astronomie, je dirais, du XXe siècle, ben, c'est plus quelque chose qui fait... Le doute s'y applique encore, mais dans une mesure relativement stable. La Terre est ronde, c'est quelque chose de relativement établi. Tout ce qu'on a dans nos syllabies de science, quelque part, en tout cas pas des syllabies trop anciens, c'est plutôt établi, c'est-à-dire la science comme corpus de connaissances pour lesquelles un consensus a émergé. Or, le consensus, il peut toujours varier, il peut toujours être chamboulé, mais il y a certains consensus qui sont assez stables, versus la science qui est en train de se faire, la science qui est en cours. C'est-à-dire la science qui est en recherche, et là, on est clairement dans ce contexte-là actuellement, où là, effectivement, il y a des hypothèses qui s'affrontent, il y a une controverse, il y a un dissensus qui est productif, qui est fécond, qui est en fait ce qui se passe en coulisses généralement pour toutes les sciences, mais qu'on l'a sur la place publique aujourd'hui, ce qui est un peu malheureux. Et je pense qu'un des gros déficits et un des gros problèmes et une des grosses raisons de la méfiance envers les sciences aujourd'hui, notamment s'il y en a une, c'est qu'on confond les deux. C'est que les gens ont tendance à prendre l'image de cette science bien établie comme corpus de vérité qu'on transporte dans nos syllabies, et de la placarder sur ce qu'ils voient à la télé et se dire « mais c'est pas ça la science que je vois à la télé ». Non, parce que là, c'est la science qui est en train de se faire. C'est la science où les hypothèses sont encore en attente de stabilisation dans un peut-être futur consensus qui viendra alors garnir les syllabies sur le coronavirus dans une dizaine d'années, j'espère, ou plutôt, idéalement. Merci Olivier. Peut-être Thomas, enchaîner là-dessus. Vous avez, avec la tronche en biais, pris l'option pour déconstruire et précisément faire un travail critique. L'humour, le côté caustique, la fantaisie, est-ce que ça fonctionne visiblement bien? Votre chaîne YouTube, elle cartonne bien. C'est par là aussi qu'on peut toucher d'autres publics. Quel type de public voilà, peut-être sur l'option que vous avez. Il cartonne beaucoup moins que les conspirationnistes. On a raté notre carrière. Il faut faire des trucs où on bâcle le travail, où on fait un montage vite fait avec des mots choquants, de la musique hollywoodienne, et avec des gens qui sont des pseudo-experts et qui vous disent qu'on vous cache la vérité. Parce que l'effet de dévoilement, l'effet de dire, voilà, en fait, on vous cache tout, puis la vérité, c'était ça. Et paf, la vérité, en plus, ça correspond exactement à ce que vous voulez croire. Parce que les gens veulent croire que eux ne sont pas en danger. Donc, refuser le masque, c'est entrer dans un récit où, en fait, moi, je n'étais pas en danger, donc je ne peux pas mettre de masque. Le virus, il est manipulé.
Donc la nature, elle ne veut pas de mal, la nature, elle est gentille, c'est les méchants humains qui me veulent du mal, et donc on a un système qu'on contrôle davantage le monde, parce que c'est les humains qui font les choses, et alors que la nature, en quelques secondes, elle peut nous faire beaucoup de mal, mais c'est plus dur à penser, et nous, on est plutôt en train d'offrir aux gens des choses qui vont à l'encontre de leurs intuitions et de ce qu'ils veulent penser, donc on est plutôt avec des contenus qui sont punitifs, en réalité. La science, elle est contre-intuitive. Hein. Donc, on est là. Et donc, alors, on est amusant. On fait ce qu'on peut. On a les contenus. On essaie d'être sympa. Quand même, parce que être sceptique, déjà que ce qu'on dit est pénible. Si en plus, le véhicule autour, on est sinistre et méchant, c'est compliqué. Donc, on essaie d'être un peu drôle. Mais alors, on a 220 000 abonnés. C'est très, très bien. On est très heureux. On ne pensait pas en avoir autant quand on a commencé. Si on se compare à des gens qui font un travail complètement nul à chier, mais qui va dans le sens des intuitions, on est à la traîne. On ne peut pas lutter contre les intuitions, contre le délice psychique qu'il y a à croire à un truc qui nous arrange. Donc, en réalité, les plateformes ne mettent pas en avant les contenus vrais, ils mettent en avant les contenus viraux, les plus polarisants, et rien de plus polarisant qu'un contenu fait rapidement et qui marche avec les émotions. Nous, on essaye de dire aux gens, vos émotions sont utiles, mais ce n'est pas avec ça qu'il faut juger sur le long terme. Et ben, ce n'est pas ça qui marche, en fait. Donc, on a tout perdu au niveau des algorithmes. On va en reparler après, et des émotions et des médias. Je propose peut-être, Maxime, qu'on lance peut-être la première partie du sondage qu'on voulait proposer à nos internautes pour tester un peu leur non pas leur connaissance, mais peut-être leur esprit critique. Donc, c'est un petit book-lab qui a été constitué par nos trois intervenants, le temps qu'ils se lancent. Pendant ce temps-là, vous pouvez jeter un œil sur les... si Lise veut nous agrandir peut-être ses facilitations visuelles qui nous met... Évidemment, on pourra le mettre plein écran après, je suppose, Maxime. Donc, continuez à vous tenir en haleine. Ça va, on peut le lancer, Maxime? D'accord. Donc, comment les gens le trouvent? Ok. Et comment les gens trouvent ce lien? Ah, il est donné dans c'est booklab.com/pds22mars, ça? Et là, personne ne meuble. On est là, dans le néant. Non, mais là, donc, ah oui, donc, effectivement, vous avez l'air de répondre au sondage. Je n'ai pas de vue sur vos réponses pour l'instant, mais Maxime va les partager après dès qu'il mettra le chrono terminé. Ah, voilà. Alors, la première des questions était la science est-elle éthiquement neutre? Et nous avions Maxime. Je n'ai plus accès à la page, mais on va y revenir, j'imagine. Il y avait oui, non et sans avis. Et qu'est-ce qui ressort en premier? Voilà, les résultats, on a 48 participants, 50 pour l'instant. 51. Alors, la majorité, la science est-elle éthiquement neutre, a dit non. Bon, évidemment, c'est un échantillon qui n'est ni représentatif ni scientifique sur le coup. C'est donc vos réactions pendant notre conférence. Ben, peut-être un petit commentaire. Je suis d'accord. Thomas, oui, c'est d'accord. Okay. Que les scientifiques ne peuvent pas s'extraire de leur époque, de leur culture, de qui ils sont, etc. Donc, on a tous des jugements éthiques, moraux, etc. Donc,
Et surtout, pour compléter un peu ce que dit Olivier tout à l'heure, il y a des questions auxquelles la science ne répond pas, mais auxquelles on ne peut pas répondre si on ne s'intéresse pas à ce que dit la science un peu quand même. Pour savoir quels sont les grands choix de société, on peut s'intéresser à ce que dit la science sur les conséquences des choix qu'on peut faire. Donc, la science n'est pas neutre non plus, dans le sens où elle éclaire aussi les choix qu'on peut vouloir faire. René, vous savez. Oui, donc ce serait bien de poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on répond oui ou pourquoi est-ce qu'on répond non à cette question. Parce qu'évidemment, elle n'est pas simple à comprendre, fondamentalement. Parce que c'est vrai que la science n'est pas éthiquement neutre, mais on pourrait avoir envie de penser que la génération de connaissances est quelque chose d'éthiquement neutre. La génération de connaissances, ce n'est pas fait à dessein de faire le bien ou de faire le mal. Ce n'est pas quelque chose qui sert la vie bonne, d'accord? Voilà, donc générer de la connaissance, on pourrait rêver que ce soit éthiquement neutre. Mais, comme vient de nous le dire Thomas, évidemment, la science est aussi une entreprise humaine. Et beaucoup de recherches scientifiques coûtent de l'argent. Donc, à un moment donné, cet argent, il faut le trouver. Et il faut bien que les pouvoirs publics, par exemple, décident de mettre de l'argent sur certains axes de recherche qu'ils considèrent comme étant prioritaires pour la société et peut-être pour la vie bonne. Donc, à partir du moment où la science est une entreprise humaine, effectivement, c'est difficile de considérer qu'elle soit éthiquement neutre, même si on aura envie de penser que la génération de connaissances, c'est simplement une contribution au patrimoine de l'humanité qui est la connaissance. Et alors ensuite, il faut aussi éviter de confondre science et technologie. Donc, il y a les connaissances qui sont générées, puis la manière dont on les injecte dans les techniques et les technologies. Et là, effectivement, là, on n'est clairement pas dans de l'éthiquement neutre. Donc, il faut distinguer science et technologie. Et puis, c'est vrai que, in abstracto, la génération de connaissances, on pourrait rêver qu'elle soit éthiquement neutre, mais elle ne l'est pas, puisque c'est quand même une affaire humaine et qu'il faut la financer et que les postes de profs, les postes de chercheurs, tout ça, ce sont des décisions qui émanent de la société. Ce sont des choix stratégiques de mettre plein de recherches en biotechnologie ou plein de recherches en sciences nucléaires ou en pharma ou des choses comme ça. Et donc, là, effectivement, on n'est pas dans la neutralité. Donc, la sociologie de la science, quelque part, comme le disait Thomas, je traduis un peu les choses différemment, mais effectivement, c'est comme ça. Merci René. Olivier, petite réaction Oui, je pourrais rajouter, mais déjà, comme je rejoins l'avis de la majorité, je vais faire un argument fallacieux, c'est que c'est vrai, hein, donc du coup, je suis content d'être dans le vrai. j'ai pas grand-chose d'intelligent à rajouter, parce que mes deux collègues ont bien précisé le fond de ma pensée. Je rajouterai juste simplement une toute petite nuance, mais je pense qu'on est tous assez conscients de ça. C'est clair que donc, si la science n'est pas éthiquement neutre, c'est sûr qu'il y a des sciences qui le sont plus que d'autres. C'est-à-dire qu'on ne va pas suspecter la gravitation quantique et la cosmologie primordiale d'influence éthique particulière, bien que, quoique, hein, y a des gens qui l'ont défendu, mais c'est vraiment très implicite, alors qu'inévitablement, la recherche scientifique attachée aux militaires ou à la santé va plus présenter une porosité aux valeurs morales, indéniablement. Ok. Peut-être passer à la deuxième question de notre sondage, Maxime, éventuellement. Alors, la question est la suivante. Êtes-vous d'accord avec la proposition suivante? Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas tout d'une question qu'on n'en connaît rien. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec cette formulation? Donc là, on va laisser aussi quelques secondes pour que les internautes répondent. Je vois que ça grimpe petit à petit. Effectivement, donc il y a une question qui nous est posée, René l'a souligné tout à l'heure, c'est la distinction entre science et technique et technologie, puisque l'un et l'autre sont étroitement liés. On parlait tout à l'heure des biotechnologies, de l'impact sur la santé, ben, par exemple, des pesticides, des OGM, de la question du nucléaire, qui sont toutes des déclinaisons des sciences. Pourquoi est-ce que c'est important, cette distinction? Rappelez-la, René, si vous voulez bien. Oui, mais bon, évidemment, cette distinction, elle est en fait un peu artificielle, parce qu'il y a un continuum, évidemment, entre la génération de connaissances et l'injection de ces connaissances dans le développement des méthodes analytiques, de la technologie, etc. etc. Mais si vous voulez, une distinction qui est un peu trop tranchée malgré tout, hein, mais c'est simplement, la science, c'est d'abord partir à la découverte du monde, c'est décrire la réalité, la réalité telle qu'elle nous est accessible,
Donc, c'est simplement offrir une représentation du monde. D'accord ? C'est un travail de création, de créativité. Hein. Offrir une représentation du monde pour décrire, expliquer ce qui se passe dans la nature et éventuellement prédire ce qui pourrait se passer dans la nature. Évidemment, cela inspire le génie inventif et évidemment la génération d'une nouvelle connaissance peut petit à petit verser dans l'application. Donc si par exemple j'étudie comment par exemple le diabète apparaît, hein, chez certains patients, je peux l'étudier d'un point de vue purement fondamental, il n'y a pas de technologie autour, mais et très très vite on va dire, ah mais si on sait que telles cellules sont dysfonctionnelles au niveau du pancréas par exemple, très vite on va aller dans l'application, dire, mais bon, si on a compris comment fonctionne le diabète, l'étape suivante c'est d'essayer de le soigner ou de le guérir. Donc il y a un continuum, d'ailleurs dans les classifications de projets de recherche, Il y a une gradation entre ce qu'on appelle la recherche fondamentale qui essaye de décrire la réalité. Il y a la recherche appliquée qui est, alors pour le dire en français, close to the market, hein, close to the bed, hein, très près du lit de la clinique ou près du marché. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle la recherche stratégique, c'est-à-dire la recherche qui permet de faire le lien entre la recherche fondamentale qui génère des connaissances, on va dire, relatives à la réalité et leur utilisation, leur approfondissement à des fins d'application, application en technologie, en ingénierie, pardon, évidemment en technologie, mais en ingénierie civile, par exemple, en ingénierie biomédicale, en pharmaco, et des choses comme ça. Et donc, cette distinction-là, elle n'est pas trop tranchée. Il est clair qu'effectivement, il y a un continuum. Hein. Et juste pour dire un tout petit mot dessus, tout ça, moi, je souscris absolument, mais il y a un truc qui est encore plus fondamental et plus basique, c'est que faire de la recherche, c'est dire comment l'atome peut se briser. Faire une bombe nucléaire, ce n'est pas de la science. C'est de la politique, c'est tout ce que vous voulez. Et il faut des scientifiques pour le faire. Mais quand ils la font, ils ne font pas de la science. Ils sont en train de produire une nouvelle connaissance. Et donc, dire... Enfin, attaquer la science parce qu'il y aurait des bombes nucléaires ou des centrales, etc., c'est pas attaquer au bon endroit. Il faut discuter les décisions politiques qu'on prend à partir des connaissances qu'on produit, mais pas taper sur les scientifiques, par exemple. Enfin, je pense qu'il faudrait éviter. Ok, merci Thomas. On va revenir donc sur cette question qui l'a fait une certaine unanimité. Donc, êtes-vous d'accord avec la proposition suivante ? Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas tout d'une question qu'on n'en connaît rien. Une grande majorité de nos répondants sont d'accord. Alors, Olivier, ça vous surprend, ça ? Non, ça me rassure, d'ailleurs. L'inverse, en fait, j'étais en train de réfléchir comment on peut défendre la posture inverse. C'est en fait être sceptique, mais sceptique pas dans le sens noble du scepticisme organisé. Je vois Thomas qui réagit, mais avec raison. Sceptique dans le sens épistémologique du terme du scepticisme radical. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a pas accès au vrai, on n'a accès à rien, on n'a pas accès à de la connaissance, mais ça, c'est une position vraiment très, qui n'est pas très en vogue en épistémologie, mais qu'on comprend toujours comme un repoussoir, mais qui est quand même une position avec laquelle il faut apprendre à dialoguer, il faut la désamorcer. Mais donc voilà, donc je ne suis pas surpris et je suis assez rassuré. Ok. Maxime, on prolonge avec la troisième ou... Je voulais juste rajouter quelque chose, en fait, parce que cette question qu'on a posée au public, elle m'est venue à l'esprit. Parce que le nombre de fois que dans la grande presse, on a lu « on ne connaît rien de ce coronavirus oui. ». Ce n'était pas vrai. Des coronavirus, on en connaît depuis fort longtemps. Des épidémies, on connaît. L'épidémiologie, ce n'est pas une science qui est née en mars 2020. Mais oui, on fait face à l'inconnu. Non, on connaissait plein de choses, on ne connaissait pas tout. Et on ne connaît toujours pas tout de ce qui nous arrive pour le moment. Mais entre justement ne pas tout connaître et ne rien connaître, waouh, quel gap! Mais de nouveau, là, il y a un problème de communication. Alors là, je pense que ça arrivera peut-être un peu plus tard dans le débat, le rôle des médias, alors que ce soit le web ou alors les grands organes de presse. Mais voilà, c'est pour ça que j'avais pensé à cette question à soumettre au public. Et heureusement, le public ne s'y trompe pas. On va enchaîner à une autre question qui est tout aussi... amusante. Est-ce que le contraire de quelque chose qui est faux est nécessairement vrai? Autrement dit, si je dis René n'est pas gentil, est-ce à dire que René est méchant? Alors, là, on vous donne cette question. On va voir assez vite. On voit que ça monte. Ça, c'est des...
WCLAP est un outil ludique. Maxime, on peut peut-être déjà voir le résultat. Alors là, on a aussi une réponse massive. Thomas, ça vous fait... C'est René qui a posé la question. Je vais laisser développer la raison pour laquelle il a posé la question. Ça sera plus simple. Oui, c'est vrai. C'est vrai. René. Oui, mais de nouveau, c'est une petite question qui m'est venue à l'esprit parce que le nombre de fois qu'on voit dans des débats politiques, surtout en période électorale, des raisonnements qui sont complètement manichéens, quoi. C'est tout noir ou c'est tout blanc. Mais non, très, très, très souvent, il faut apporter de la nuance. Et donc, effectivement, une fois de plus, le public massivement ne s'y trompe pas. Là, je vois malheureusement que la colonne diminue un petit peu, mais non, bien sûr. C'est pas parce que René n'est pas gentil qu'il est méchant. Quelqu'un qui n'est pas gentil n'est pas nécessairement méchant, et quelqu'un qui n'est pas méchant n'est pas nécessairement gentil, il peut juste être. Là, voilà. Ça pose le problème du sens des concepts qu'on utilise, parce que gentil et méchant, c'est quand même pas... C'est assez poreux. C'est, tout à fait. Il y a des concepts où les bords sont plus clairs, où c'est plus simple. Et on a le paradoxe Sorite, le paradoxe du tas. Est-ce que si j'ai deux grains de sable devant moi, est-ce que j'ai un tas de sable? Ben non. Si je rajoute un tas, enfin un grain de sable à un amas qui n'est pas un tas, est-ce que ça crée un tas? Ben non. Donc si je rajoute un milliard de fois un grain de sable à un amas qui n'est pas un tas, je n'ai pas un tas. Ben si, à un moment, j'ai un tas. Parce que le mot tas, il est flou. Et la plupart des concepts, même en science, quand on regarde au plus près, les bords ne sont pas si nets qu'on voudrait le croire, et donc c'est toujours un petit peu flou. Et donc, est-ce que dire que René n'est pas gentil, quand on dit qu'un mec il n'est pas gentil, souvent on pense qu'il est méchant, en fait. Mais parce que voilà, mais parce que c'est les limites du langage. Oui, mais justement, et donc c'est dans la forme du langage qu'il faut faire attention, parce que c'est là aussi où on peut déminer des raisonnements qui sont fallacieux, parce qu'ils amènent à une conclusion qui n'est pas tenable logiquement, quoi. C'est ça l'histoire. Ok, ben on va peut-être poursuivre. Alors, on a beaucoup, beaucoup de questions qui tombent. Donc, il y a deux points sur lesquels on avait dit qu'on reviendrait, qui est le rôle des médias, réseaux sociaux et médias traditionnels. Et puis, par ailleurs aussi, le rôle de nos émotions et de nos biais cognitifs, bien connus aussi des chercheurs, dans la construction éventuellement... et de nos croyances et de notre déconstruction des sciences. Peut-être sur la place des médias. Alors, aujourd'hui, ça s'est accéléré, le temps médiatique, avec l'émergence de ces réseaux sociaux. C'est un flux continu, un rythme soutenu. Donc, ça veut dire qu'il y a la viralité aussi de la désinformation, des vérités alternatives qui peuvent filer à toute allure. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une accélération, Olivier, à l'échelle de l'histoire, depuis l'émergence de ces réseaux sociaux Je dois vous avouer que je n'en sais rien, en fait, et je suis en train de me poser la question de savoir qui pourrait être en mesure de savoir, en fait, et je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment quelqu'un qui soit en mesure de savoir, parce qu'il faudrait être capable de comparer fondamentalement ce qui se passe aujourd'hui, pour lequel on peut avoir une certaine idée de mesure, notamment grâce aux outils informatiques, par rapport à avant, où en fait on n'avait simplement aucune idée de la portée du phénomène. Donc, en gros, les deux hypothèses, est-ce qu'il y a une montée de l'anti-science aujourd'hui à cause des réseaux sociaux, ou est-ce qu'il y a une plus grande visibilité de l'anti-science à cause des réseaux sociaux? Et je pense que les deux hypothèses se défendent, mais elles se confondent à certains égards. Ça rejoint la problématique de René entre corrélation et causalité. Donc, moi, je n'ai pas de réponse entre les deux, mais ce qui ne change rien, au bout du compte, le problème est un problème. Je pense que c'est un problème sérieux. Je pense que c'est un problème sérieux pour l'entreprise scientifique qui doit être désamorcé, que ce soit parce qu'il y a plus d'anti-scientifiques aujourd'hui ou parce qu'ils soient plus organisés ou parce qu'ils soient plus visibles. Ça, quelque part, ça ne change pas grand-chose. Ce qui doit sans doute faire différence avant les réseaux sociaux, en tout cas ce qu'on peut imaginer, c'est que quelque part, des voix anti-scientifiques ou des voix pseudo-scientifiques ou des voix conspirationnistes, ce n'est pas les mêmes concepts, mais on entend bien qu'il y a du soupçon derrière et un soupçon pas forcément constructif. Mais quelque part, avant, elle pouvait se cantonner, j'ai envie de caricaturer, au comptoir du café du coin, et elle pouvait rester là, ou à un souper de famille, où on balançait un peu un truc à tous des vendus, Big Pharma et ce genre de choses. Maintenant, généralement, on a plus facile à trouver des gens qui pensent comme nous, et ce qui nous rassure, on a peut-être tendance à se monter en communauté, on a peut-être tendance à devenir militant, du coup, et peut-être à avoir des moyens, et donc peut-être à mettre en place un agenda qu'on n'aurait pas fait si on avait été seul dans notre coin à le faire. Donc il y a peut-être cette possibilité, effectivement, d'une organisation de l'anti-science, qui était peut-être déjà là disparate et qui ne se trouvait pas. Et qui maintenant le fait, et qui maintenant a les moyens quelque part de le faire, et à l'échelle de la planète entière, très peu d'anti-sciences qui se rassemblent, ça peut quand même faire des communautés avec une masse critique importante, et qui ont du coup une certaine efficacité.
Et Thomas, ça vous inquiète de réponse. Cette lame de fond, ça vous inquiète aussi, parce que vous en parliez tout à l'heure de la puissance. Ah bah oui, ça m'inquiète un peu. Et surtout, il est clair que les générations actuelles croient beaucoup plus de choses fausses qu'il y a deux ou trois générations. Mais parce qu'ils croient plus de choses, de manière générale. On croise beaucoup plus d'informations. Enfin, c'est fou le nombre d'infos qu'on croise dans une journée. Donc, si vous avez un filtre où vous éliminez 99% des conneries que vous croyez, que vous croisez, eh ben, il reste 1%. Eh ben, autrefois, 1%, c'était un truc par jour. Ben, maintenant, c'est 1000. Si je vous dis, est-ce que vous savez ce que c'est que les chemtrails et que vous me répondez non, très bien. Si je vous explique ce que c'est que les chemtrails, qui sont les traînées, que laissent les vents dans le ciel, alors came pour chimique, trails pour traîner, en vérité, c'est les chemtrails, c'est des traînées de condensation, donc c'est de l'eau. Mais comme on n'est pas expert de la chimie de l'eau en altitude, ben on voit des trucs qui restent, on dit que ça ne peut pas être de l'eau. Une fois que je vous explique qu'il y a une théorie qui dit que c'est des avions qui portent des produits chimiques et qu'on étend sur les villes pour rendre les gens dociles ou stériles ou malades ou homo, maintenant que je vous l'ai dit, vous pouvez y croire. Voilà. Donc, le fait d'être exposé à un maximum de conneries, on en croit plus qu'avant. Et moi, je suis inquiet parce que les gens qui croient ça et qui sont très motivés pour en parler, et Étienne Klein l'a encore dit, là, j'ai vu une vidéo sur Brut il y a peu de temps, la certitude, l'aplomb qu'on a lorsqu'on dit un truc, plus on est sûr de nous, plus on donne des signaux de compétence. Et donc, on vous croit davantage que le mec qui est là en train de vous dire « Oui, bon, alors, il y a des trucs qu'on sait, des trucs qu'on ne sait pas, il faut être nuancé. » Et la nuance, ça part dans le bleu des toilettes. Et Bertrand Russell disait « Les gens ne veulent pas la vérité, ils veulent des certitudes. » Là, on en est là. René, quelles sont, selon vous, les guerres de fous contre cette puissance virale des réseaux sociaux, cette accélération des fake news En tant que scientifique, ça vous inquiète Oui, en tant que scientifique, mais aussi en tant qu'homme de la cité. Hein, parce que, je veux dire, Olivier disait, oui, c'est dangereux pour les scientifiques. Moi, je crois que c'est dangereux pour la démocratie, hein, pour le fonctionnement de la société. Parce que, à un moment donné, si on veut prendre des décisions qui soient bien fondées, il faut qu'elles soient fondées sur des connaissances fiables. Je reprends les termes d'Olivier. Alors, comment contrer ça? Ben, de nouveau, je pense qu'il y a plusieurs manières d'y arriver. Il y a certainement l'école, hein, les bancs de la fac. Nous essayons quand même de donner des enseignements sur l'esprit critique et sur la construction de nouveau, du discours et du raisonnement. Mais alors, il y a autre chose qui est quand même important et qui, par moment, m'interpelle. Et je ne veux pas, évidemment, fustiger les organes de presse, je veux dire, qui sont les masses médias traditionnels. Mais eux aussi auraient, je pense, un devoir à faire de respecter, si je puis dire, ce qu'on appelle, pour faire référence au bon vin, de l'information d'origine contrôlée, quoi. Hein? Et ça, c'est important. Et de temps en temps, on voit quand même que dans le débat qui est supporté et soutenu par des grands journaux ou des masses médias audiovisuels, on met en opposition, mais avec a priori le même poids, un scientifique et un pseudo-scientifique, sans en les mettant simplement en disant, voilà, parce qu'il y a une explication alternative à. Donc, il faut encadrer ça. Il faut que les grands médias qui organisent des débats, qui font des doubles pages de fond, et qui le font généralement très bien, elle doit peut-être aussi travailler son travail de critique. Et donc, cette critique-là, on doit être exposé à cette critique, on doit être baigné dans la culture de la critique. Et de nouveau, d'une critique positive, hein, je veux dire, une critique méthodologique, un doute méthodologique, pas un scepticisme radical comme on l'a déjà évoqué, quoi. Donc, bien sûr, les bancs d'école, les bancs des facs, bien sûr, les grands médias, et puis alors, des sites web comme La Tronche en Biais, d'autres. Parce que c'est clair que ces médias, les nouveaux médias qui sont sur le web, ont une visibilité et ont une capacité de conviction qui est forte. Mais moi j'appelle de mes voeux qu'on ait plus de sites du genre La Tronche en Biais, etc. Quoi. Et donc voilà. Information d'origine contrôlée. Il faut essayer de stimuler ça, quoi. Olivier, vous avez beaucoup travaillé. Un tout petit point qui rebondissait sur ce que René disait, en parlant notamment de La Tronche en Biais et d'autres sites ou d'autres chaînes du même genre, je pense qu'il y a exactement aussi un point important à souligner, c'est qu'il y a une relation de proximité.
Et ça, on a bien établi, mais c'est assez naturel de le penser, que quand ce qu'on cherche, c'est la confiance, ben, quelque part, la confiance, elle se crée aussi dans la relation de proximité, qu'on ne va pas trouver facilement avec une figure autoritaire et avec même les médias traditionnels. Vous savez, en Belgique, par exemple, il y a Le Soir, La Libre Belgique, ben, c'est sûr qu'ils peuvent publier un billet d'humeur pour dire quelque chose. Ça n'aura pas l'impact auprès de tout le public, parce que le public cible est assez, déjà, est assez fermé. Il n'y aura pas la relation de proximité qu'on peut avoir dans une communauté. Par exemple, je pense à la communauté de Thomas, qui est quand même assez, assez grande, mais d'autres communautés, où là, il peut y avoir un rapport de proximité et de confiance. Je pense que la confiance, c'est un point qui est crucial dans toute cette entreprise, et que la confiance, malheureusement, et ça, on peut le regretter, elle n'est pas toujours en adéquation avec la vérité. C'est-à-dire qu'on peut avoir confiance en quelqu'un qui nous ment, comme on peut ne pas avoir confiance en quelqu'un qui nous dit la vérité, et ça, malheureusement, quelque part, on peut le regretter. Thomas, peut-être un mot. Donc vous êtes biologiste, vous n'êtes pas journaliste, mais vous avez fait un travail de vulgarisateur. Est-ce qu'un des manquements dans les rédactions actuelles, ce serait le manque de culture scientifique éventuelle des journalistes? Est-ce que ce serait le manque de place accordée aux sciences de façon générale dans la grande presse? Est-ce que, par exemple, on est cette semaine dans le printemps des sciences, qui est tout un travail de médiatisation au sens positif, de vulgarisation, de médiation des sciences, peuvent aussi faire avancer le schmilblick, comme on dit. Il y a plein de problèmes. Il y a un manque criant de culture scientifique chez les journalistes, c'est évident. Sinon, on ne verrait pas des journalistes inviter des gens dire des choses sur la science sans avoir en face ou bien un expert qui peut contredire, ou même en s'étant renseigné pour pouvoir contredire, parce que le but, ce n'est pas d'avoir juste un contre un. Parce que si quelqu'un dit « le climat ne change pas », et en fait, si quelqu'un dit « le climat change », c'est un contre un, les gens disent « c'est 50-50 ». En fait, non. Donc, il y a un problème de culture scientifique qui manque. Il y a un problème de temps. Les journalistes doivent avoir le temps de traiter les choses. Or, on est dans l'urgence. La chose la plus nocive pour l'information, c'est les chaînes d'info H24. Il n'y a pas plus con qu'un truc où, dans la seconde, il faut avoir le slogan, enfin le scoop à vous mettre sous le nez, être le premier à le faire. Il n'y a pas pire pour l'information. Donc en science, encore pire, parce qu'il faut 3 mois avant de savoir si le papier il vaut quelque chose, parce qu'il faut que les gens, dont c'est le métier, d'abord que ça passe en peer review, puis qu'après les collègues puissent le lire, éventuellement faire une manip pour vérifier, publier leurs travaux et se confronter, faire un colloque éventuellement pour se friter un petit peu. Voilà. Là, il faut qu'en 2 minutes, on ait la solution. On est à l'ère où en 2 minutes, on a la réponse à tout. Et on sait bien que tous les problèmes compliqués ont une réponse simple et fausse. Alors, malheureusement, c'est celle qu'on aura en premier. Et puis, il y a le problème de l'indépendance. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans les journalistes qui les payent, comment, etc. Comment ça se fait? Alors, j'ignore comment c'est en Belgique. En France, 90% des journaux sont possédés par quelques milliardaires. Ça ne leur apporte pas d'argent. Donc, ils le font pour autre chose. Donc, les gens qui se disent, s'ils achètent ces journaux, c'est parce que c'est dans leur intérêt, ils ont raison de dire ça. Ça ne veut pas dire que les journalistes sont à la solde, mais au minimum, ils s'autocensurent, forcément. Quand votre patron, c'est Lagardère, il y a un scandale sur Lagardère, étonnamment, c'est les journaux concurrents qui vont le sortir, ce n'est pas vous. C'est bizarre. Fatalement, sur les questions scientifiques, on aimerait bien que les gens aient confiance, mais comme c'est médié par les médias, c'est certain, qui retransmettent, il y a cette suspicion de pourquoi est-ce que tel média me donne telle information. Et la question, en fait, elle est légitime dans le contexte actuel. Et donc, en parlant d'Imagine, vous, Hugues, vous avez un journal qui est peut-être plus ou moins dépendant ou indépendant, j'imagine que peut-être que vous pouvez répondre, partie prenante. Comment on fait pour que les gens aient confiance, quoi? Oui, alors nous, on est effectivement dans une presse alternative totalement indépendante qui s'inscrit dans l'économie sociale puisqu'on est une association sans but lucratif et on vit à 70% des recettes de nos abonnés, donc le reste étant une aide d'une plateforme d'ONG et une petite aide publique. Et donc voilà, on a effectivement l'avantage d'être relativement indépendant et de ne pas avoir de compte à rendre à des actionnaires, effectivement. Effectivement, je voudrais aussi rappeler que le métier de journaliste, pour tous les confrères qui sont confrontés effectivement, à de moins en moins de temps, à une précarité du métier, à de moins en moins de moyens qui sont investis dans les rédactions, mais enfin, c'est encore un autre débat qui nous éloigne de la science, mais qui est aussi les conditions, on parlait des conditions d'élaboration de la fabrication de la science, les conditions d'élaboration de la fabrication de l'information est importante aussi, et notamment le statut du
journaliste qui l'a produit. Voilà. Mais peut-être pour revenir sur une autre question qui nous a été posée tout à l'heure et qui est passée rapidement un peu à la trappe, mais dans les mécanismes finalement qui nous amènent les fameux ressorts dont on parlait tout à l'heure de l'anti-science, il y a notamment la place de nos émotions, la place de nos biais. Hein, si l'un d'entre vous pouvait peut-être rappeler c'est l'importance finalement, surtout dans une période comme celle-ci où on sait que les émotions sont à fleur de peau, hein, pour le moins, pour des tas de raisons légitimes. Voilà, en quoi est-ce qu'elles sont des... Finalement, elles participent à fabriquer l'ignorance, comme le nom de ce documentaire produit sur Arte. L'un d'entre vous, René, je vois que ça acquiesce, Olivier acquiesce aussi. J'aurais tendance à laisser la parole à Thomas, c'est plutôt ça se fait. Non, mais enfin, c'est tellement vaste que moi, je ne sais pas par où démarrer. Donc, de toute évidence, nous raisonnons avec nos émotions et ça n'est pas un problème, sauf quand ça pose problème. Hein, le problème, c'est que les émotions, on ne sait pas pourquoi on pense ce qu'on pense, juste on le ressent. Et c'est dangereux. Ça ne veut pas dire qu'on a tort. Et les biais, ça ne veut pas dire qu'on pense mal. Ça veut dire qu'on ne pense pas comme on pense qu'on pense. On ne pense pas de manière mathématique, rationnelle, etc. On pense beaucoup avec des raccourcis mentaux qui sont très efficaces, sauf quand ils ne marchent pas. Et je dirais juste cette chose-là, le sentiment qu'on éprouve quand on a raison et qu'on a raison, penser qu'on a raison, et les sentiments qu'on éprouve quand on a tort et qu'on a tort, penser qu'on a raison, c'est le même sentiment. Les gens qui ont tort sont aussi sûrs d'eux que les gens qui ont raison, en général. Donc, il faut trouver des moyens externes à notre grille de lecture pour évaluer ce qu'on croit. Et pour ça, il faut qu'on soit motivé à le faire. Et pour ça, il faudrait qu'on arrive à motiver gentiment les gens pour qu'ils le fassent. Et c'était très dur à faire. Merci Thomas. Vous voulez rajouter quelque chose, René ? Oui, dans la construction de connaissances qui ne sont pas scientifiques ou qui sont pas nécessairement de l'anti-science, mais enfin qui sont, on va dire, à côté de la plaque. Il y a aussi dans la part, on va dire, subjective et émotionnelle de l'information que tout un chacun peut échanger sur la toile ou même au café de la gare. Hein, comment dire, l'excitation du sensationnel, quoi. On est celui qui a appris que en fait c'est pas comme on pense. Il y a un grand méchant loup qui se cache derrière ceci ou cela. Et je dirais que, enfin, je sais pas, je suis pas psychologue bien évidemment, mais être le détenteur d'une information sensationnelle qui est inattendue, qui fait le buzz, c'est quelque chose d'extrêmement flattant à mon avis. Hein. C'est quelque chose qui doit sans doute flatter la confiance en soi et donc là, il y a de l'émotionnel, quoi. Être celui qui, waouh, moi j'ai lu ça, tu n'as pas vu, ah non, tiens, waouh, il paraît que c'est le grand méchant loup qui a inventé le coronavirus. Voilà, il y a de l'émotion derrière, hein, l'émotion d'être celui qui. Et effectivement, c'est plutôt contradictoire avec l'idée de j'apprends une information et je la retourne, et je la re-retourne, et je la réanalyse. Et je ne la transmets ou je ne la diffuse à travers mon réseau social favori, etc., que quand moi-même j'ai pu éprouver la solidité de l'information que j'ai reçue. Mais ce n'est pas ça qui se passe. On est dans le rapide aussi, on a envie, quoi, de waouh, j'ai vu la vitesse à laquelle on fait suivre les petits messages qu'on reçoit sur nos GSM. Alors, moi, en général, ce sont des blagues, mais ce n'est pas des news du genre le grand méchant loup a inventé le coronavirus, quoi. Mais c'est sûr que là, y a ça, quoi. L'excitation du sensationnel, et ça, c'est de l'émotion aussi. Olivier, d'accord avec ça ? Vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, mais je pourrais juste rajouter quelque chose sur ce que Thomas disait, que je pense que c'est tout à fait vrai, et malheureusement, ça me déprime un peu, quelque part. Et il a utilisé le mot de motivation, et je pense qu'il est vraiment important, ce mot-là. Parce que moi, en tant qu'épistémologue, quelque part, ou philosophe des sciences, quoi qu'on l'appelle, je suis convaincu du fait que je pourrais apporter, je dirais, la justification d'une connaissance la plus épistémologiquement propre et évidente et avec aucun défaut, si la personne qui la reçoit n'a pas de motivation à vouloir l'entendre, je suis démuni. Je ne peux rien faire de plus. Quelque part, j'aurais fait mon métier jusqu'au bout, et je ne prétends pas le faire parfaitement, mais quand bien même je l'aurais fait parfaitement, je n'aurais pas encore réussi à avoir l'assentiment de la personne. Et là, moi, je suis démuni sur qu'est-ce qu'il faut faire pour donner de la motivation.
Et ça me fait penser simplement à une personne que j'avais une fois entendue dans un reportage. Donc, c'est vraiment de l'ordre de l'anecdote. Ça n'a absolument... Mais c'est pour vous dire le degré de désarroi. C'était quelqu'un qui ne pensait pas qu'il y avait le changement climatique et que la fonte des glaces était un fake. Et le journaliste lui dit, mais on vous paye un voyage jusqu'en Antarctique. Allez voir et vous restez là. On vous paye 3 mois. Vous regardez, vous voyez de vos yeux la fonte des glaces. Et la personne a dit, non, je n'irai pas. Parce que je n'ai pas la motivation de me confronter à la possibilité que j'ai tort. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme ça? Alors là, il y a sans doute un travail plutôt de psychologie à faire, moi, je pense, de gestion des émotions, de gestion de le fait d'avoir... Ça, c'est quelque chose qui m'échappe à mon expertise, et c'est pour ça que je me sens un peu démuni par rapport à ça, malheureusement. Un élément de réponse, je pense que c'est l'exemplarité. Donc, c'est un truc quasiment impossible parce qu'on n'est jamais à la hauteur. Mais si on montre l'exemple, c'est comme ça qu'on doit se comporter par rapport à telle proposition, tel énoncé, telle croyance, et que ça fait tache d'huile, ça va prendre peut-être 2 générations, 3 ou 20. Je ne vois pas de meilleur outil que ça, personnellement. Mais ce qui est important dans tout ce qu'on discute ici, c'est qu'en fait, toutes les connaissances scientifiques ne sont pas aux prises avec le soupçon. Il y a quand même cette certaine connaissance scientifique, surtout celle qui emballe l'humain, en fait, hein. Parce que si maintenant, moi, je vais vous raconter des histoires sur, je ne sais pas moi, la manière dont certaines colonies de fourmis fonctionnent, il n'y a personne qui va aller m'embêter avec ça, on ne va pas construire une pseudo-science autour de ça. Donc, il y a aussi une sociologie de la pseudo-science, ce n'est pas n'importe quelle connaissance scientifique qui est aux prises avec ce rejet, ce déni, et c'est effectivement, en particulier... Les grands actuels et là où il y a quand même un fort interface science et technologie. La connaissance pure est moins souvent attaquée par le soupçon. Parce qu'on est moins... Pardon ? Dès que ça a un impact sur ma vie ou comment je me perçois personnellement dans le monde, dans le cosmos, voilà. On a un peu là aussi ça, d'un seul coup, je me rebiffe parce que j'ai le droit d'avoir un avis sur comment je me vois dans le cosmos. De quel droit vous me dites que moi, je suis un singe ? Ça ne va pas la tête ? Alors, à ce propos, parce que c'est vraiment intéressant, et ça rejoint peut-être les 2-3 questions qui viennent de tomber, il y en a une qui dit, est-ce que ce n'est pas dangereux de tourner le complotisme au ridicule? Un autre qui dit, comment faire pour raisonner un complotiste sans se fâcher? Donc, il y a cette question aussi, un autre qui nous dit quand même, bonsoir, les complotistes ont parfaitement raison, moi-même, je ne les croyais pas au début en tant que scientifique, mais avec du recul et du vécu, je pense qu'ils disent la vérité. Enfin, je crois que c'est ça que vous pouvez nous dire. Donc, est-ce que, voilà, malgré tout, c'est une réalité qui est là. Et comment, au quotidien, désamorcer ce complotisme qui peut être masqué, qui peut être insidieux, qui peut être puissant, qui peut prendre toutes les formes dont on a parlé tout à l'heure. C'est quoi vos trucs et ficelles face au complotisme? Mais pour revenir à certains commentaires donc, qui viennent des auditeurs, tourner le complotisme au ridicule, certainement pas. Au contraire, moi je crois qu'il faut le prendre au sérieux et il faut prendre les personnes qui... Parce que les complotistes, ce n'est pas nécessairement intentionnel non plus. Hein. Il ne faut pas dire les personnes qui alimentent le débat avec des fake news. Très souvent, c'est à leur propre insu, si je puis dire. Donc, il faut prendre ces choses-là au sérieux et certainement pas tourner... Il ne faut certainement pas arriver avec une position arrogante. La science, de nouveau, on va tomber sur l'idée d'une science autoritaire, une science qui a raison, une science qui est péremptoire. Non. Et deuxième élément qui a été évoqué par des auditeurs, comment réussir à discuter sans s'énerver? Mais là aussi, de nouveau, c'est une question... De garder la tête froide dans un débat, une discussion qui doit être construite où on essaye d'éplucher les éléments de preuve, on essaye de détricoter les relations de cause à effet qui sont mises en évidence par de l'expérimentation, par de l'observation, et puis voir là où il y a des hypothèses, là où il y a des zones d'inconnu. Donc c'est dans le débat philosophique, hein, enfin, je ne sais pas, c'est Olivier qui va sortir la logique du débat contradictoire en philo, mais c'est ça qu'il faut faire. Et donc, ni s'afficher avec la superbe de la science qui, soi-disant, a raison et est toute puissante, et certainement pas non plus s'énerver. Parce que, voilà, les deux positions discréditent le scientifique qui essaye de prendre part au débat. Ça, c'est clair.
Olivier, Thomas? Oui, si je peux rebondir, mais je suis d'abord tout, d'accord, tout à fait d'accord avec le point qui est surtout pas de condescendance, de paternalisme, de ridicule, ça, je pense que c'est contre-productif. Et puis après, c'est des humains qui peuvent avoir des théories du complot. Ils peuvent les avoir pour des raisons qui sont parfois raisonnables. D'ailleurs, ça peut être l'inquiétude. Hein, vous savez, les gens qui parlent de la 5G, ben, ils peuvent être inquiets des effets potentiellement négatifs. Ce n'est pas déraisonnable d'avoir ça. Je pense qu'il faut pouvoir y répondre. Donc ça, c'est un premier point. Une petite différence conceptuelle qui peut aider ici, c'est la différence entre complot ou conspiration et théorie conspirationniste. Je pense qu'il y a deux choses différentes. Parce que quelque part, qu'un complot puisse être vrai ou qu'une conspiration puisse être vraie, c'est le cas. Donc, il y a des complots qui sont vrais. Il y a eu des complots. Le Watergate en était un. L'assassinat de Jules César était un complot. Donc, le fait qu'il y ait des conspirations, c'est un fait. La différence, c'est que c'est paradoxal. Il n'y a aucun complot ou il n'y a aucune conspiration qui a existé, qui a été établie comme étant une conspiration par une théorie conspirationniste, mais en fait, plutôt par une théorie scientifique, enfin, par une méthode de raisonnement plutôt de type journalistique ou d'enquête rationnelle qui fonctionne sur la méthode scientifique. Donc, c'est plutôt l'application de la méthode d'enquête de type scientifique qui, paradoxalement, révèle les complots qui en sont. C'est jamais par une pensée conspirationniste ou une théorie conspirationniste qui, elle, plutôt, est en fait simplement, je dirais, n'est pas forcément fausse. Il pourrait y avoir par hasard. Vous savez, on peut même dire parfois des choses. Parfois, moi, ça m'arrive de rêver la nuit de quelque chose et le lendemain, il s'avère que c'était vrai. Ça va? C'est juste que ce n'est pas fiable. D'accord? Et donc, pas fiable, ça ne veut pas dire faux, de nouveau. Ça veut dire que je ne parierais pas dessus, quelque part. J'enquêterais un peu plus ou ce genre de choses. Thomas, juste avant de vous céder la parole, il y a une question toute simple qui dit, est-ce que l'un d'entre vous peut rappeler ce qu'est le complotisme? Alors, bah, il y a déjà une nuance que Olivier a abordée, c'est que les complots existent, donc avoir un travail d'enquête pour vérifier un complot, c'est un ensemble de personnes qui, dans le secret, mettent au point une stratégie pour faire avancer leurs intérêts aux dépens des autres. Le conspirationnisme, c'est penser qu'on est la victime de gens qui font ces manipulations-là et avoir comme grille de lecture que quand quelque chose se produit, d'emblée, je soupçonne que quelqu'un l'a fait exprès, donc c'est le résultat d'une volonté, et que c'est caché. Et que voilà. Et donc, il y a cette idée que le vrai pouvoir est caché. Et c'est une pensée qui est assez religieuse d'une certaine manière. Ça fonctionne un peu de cette manière-là. Et moi, sur la réponse, on peut très bien être conspirationniste et avoir raison. Mais, comme a dit Olivier, pour vérifier si on a raison, il faut mettre en branle une méthode qui n'est pas celle des conspirationnistes, qui, eux, cherchent à tout confirmer. Et un truc que vous n'êtes pas au courant, c'est que toute preuve que le complot auquel vous pensez n'existe pas est une preuve que le complot est bien foutu. Hein? Donc, c'était irréfutable. Mais juste pour dire comment est-ce qu'on fait pour répondre à ça, il n'y a pas de réponse universelle et définitive. Il faut avoir une approche écologique. C'est-à-dire qu'il y a différentes niches. Le mépris est utile, le ridicule est utile, l'humour est utile, le raisonnement rationnel est utile, les arguments, tout est utile en fait. Mais pas tout le temps. Et ça dépend de qui vous avez en face de vous. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui de bonne foi vous dit « Mais pourquoi est-ce que tu ne croirais pas ?» Eh bien, s'il est de bonne foi, voilà. Mais si c'est un gourou qui est là pour manipuler les autres, ben, vous le pourrissez, ce mec. C'est un mec, mais ça peut être voilà. Parce qu'il n'y a pas de raison de l'épargner ou de faire comme s'il était respectable, en fait. Les gens ne sont pas toujours à la hauteur du respect qu'on leur accorde. Donc, il faut vraiment se retirer la tête. Il y aurait une méthode unique. Ceci dit, quelqu'un dans le chat a prononcé le mot d'entretien épistémique. Et c'est la méthode la plus propre qu'on puisse avoir. En gros, c'est Socrate, hein, donc je vais laisser Olivier, qui est peut-être plus calé pour en parler. Qui est de... Si la personne en face de nous croit quelque chose, c'est pas pour rien. Elle a forcément des raisons. Et sauf à croire que les autres sont tous des débiles, alors peut-être qu'il faut les écouter avant de porter un jugement sur ce qu'ils croient. Et voilà. Merci, Thomas. Alors, dans la foulée, on a ici une question citation de Douglas Larson, que personnellement, je ne connais pas. Qui est « Une mauvaise herbe est une plante qui a maîtrisé toutes les compétences de survie sauf celle d'apprendre à grandir dans le rang. Soyez une mauvaise herbe. » C'est gentil, oui. Et en même temps, en parenthèse, et donc un complotiste. Mais bon, parce que... le complotiste, il y a des mesures en psychométrie, c'est quelqu'un qui, plus que les autres, veut se sentir spécial. Se sentir spécial, ce n'est pas une fin en soi, les gens. Hein? Donc la mauvaise herbe, je veux bien, mais enfin, être utile, c'est bien aussi. J'aime bien les mauvais liens, j'ai rien contre. Alors, parce qu'il y a beaucoup de questions donc, qui partent dans tous les sens. Donc, il est 21h27. On avait dit qu'on se donnait jusqu'à 21h30, mais je regarde Maxime, on peut encore prendre quelques questions et voilà, ça va, parfait. Alors,
qu'est-ce qu'on a en magasin? On a beaucoup de choses, ça part dans tous les sens. Hein, donc, c'était bien. Et peut-être un truc, pendant que vous cherchez les questions, j'aimerais faire réagir mes copanélistes. Il y a une nuance moi, que j'aime beaucoup mettre en avant, c'est la nuance entre doute et soupçon. Puisque en zététique, on parle de l'art du doute, et douter, c'est nécessaire en science, mais le soupçon, ce n'est pas nécessaire en science, que le soupçon implique qu'on croit savoir quelles sont les intentions des autres, et c'est un piège terrible, parce qu'une fois qu'on a posé l'intention, prouver qu'elle est fausse, c'est très compliqué. Dans quelle mesure vous faites cette nuance de doute et de soupçon? Oui, pour moi, quand il y a soupçon, c'est qu'il y a un suspect. Le doute, c'est une posture épistémologique, point. Donc le soupçon, il y a quelque chose d'intentionnel, en fait, dedans. C'est-à-dire que le doute, c'est simplement une mise à l'épreuve d'un énoncé, d'une observation, d'une explication, d'une théorie, mise à l'épreuve épistémologiquement valide au sens de la science. C'est-à-dire que le soupçon, avec derrière un suspect ou des suspects, c'est pas quelque chose qui est... On est hors du champ scientifique, quoi. Je partage assez bien. Donc, je n'ai pas grand-chose d'intelligent à ajouter là-dessus. On est tout à d'accord, ça va être louche. Hein. Oui, c'est ça. Mais... Bon, ici, on a un inspiré en amont. Hein. Oui, mais qui est assez critique aussi. Nous s'interroge, savoir si on est des inquisiteurs dans l'âme, prêts à brûler les complotistes sur un bec Bunsen. Je ne sais pas pourquoi sur un bec Bunsen. Ouais. Alors, juste pour rappeler aux gens, les gens qui se faisaient brûler, c'était les gens plutôt comme nous, en fait. les gens un petit peu chiants qui disaient, vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr? Voilà, moi, c'est mon métier d'être sceptique. Donc, si le bûcher était encore là, je ne serais pas du bon côté du manche du tison. Donc, les leçons de morale de ce type-là, moi, je m'en passe volontiers. Hein. Okay. Voilà, bah, écoutez, on a partagé. Il y avait une question aussi sur... alors, on revient un peu sur une question un peu plus méta, mais en quoi l'anti-science est un danger pour la science? Je pense que c'est moins un danger pour la science qu'un danger pour la société. Parce que si l'idée est finalement que l'opinion dominante sur l'explication d'un phénomène est une opinion qui est fondée sur une connaissance moins fiable, ben on prend des risques quelque part. Donc, pour la science, à la limite, moi, ça m'est égal. Moi, ce qui me dérange, c'est de prendre des décisions qui sont fondées sur des choses moins bien étayées qu'une explication scientifique. C'est tout. Et donc, c'est plus pour la... Pour moi, je stresse plus pour la société que pour la science. Hein. C'est dangereux pour la science, c'est quand un ministre commence à dire qu'il faut enquêter sur les idées politiques des chercheurs. Là, c'est grave. Et là, il y a des pétitions pour que la ministre démissionne. Et je l'encourage à partir. Parce qu'on peut pas... Moi, je m'attendais à cette posture-là d'un ministre du Front National ou de l'extrême droite. Ils le font ailleurs. L'extrême droite fait ça. Ils décident que telle discipline n'a pas lieu d'être à l'université. Donc, il y a différents pays en Europe où ils ferment des facultés de sciences humaines en particulier. Je ne m'attendais pas à ce que des gens du centre, vous voyez, on n'est pas dans les extrêmes, nous balancent ce genre de choses. Alors, on peut avoir un avis sur l'islamo-gauchisme et on peut avoir des débats, mais lancer le soupçon sur des disciplines complètes scientifiques, c'est ça le vrai danger que court la science dans une démocratie. Alors, pour faire le lien entre, et clôturer doucement, mais ce lien entre société et science, dans l'interview que nous accordait Laurence Boucquiot, donc philosophe des sciences à l'ULIEF, elle plaidait pour une nouvelle alliance entre citoyens et décideurs. Donc, elle rappelait toute une série de processus qui restent encore marginaux, entre guillemets, mais de panels citoyens, de sciences ouvertes, de réflexion. Est-ce que, pour clôturer sur une note peut-être un peu positive, est-ce que ce serait davantage vers ces nouvelles alliances-là qu'il faudrait aller pour sortir un peu de la spirale du soupçon dont on a parlé toute cette soirée? Un petit tour de table. Olivier, pour commencer, oui.
Moi, je partage l'avis de ma collègue, donc je suis très dans le consensus aujourd'hui, il semblerait. Mais juste distinguer peut-être de nouveau deux niveaux. Donc je pense qu'au niveau épistémologique, c'est-à-dire au niveau de la qualité de la connaissance scientifique, l'intégration des citoyens, ça a fait ses preuves sur certains contextes, mais vraiment très, très ténus, pour lesquels une expertise citoyenne peut être revendiquée. Mais évidemment, ça n'a aucun sens dans la cosmologie fondamentale ou dans un labo de biologie moléculaire où inviter des citoyens à participer ne va pas forcément avoir un intérêt dans la fiabilité du savoir. Par contre, pour ce qui est de l'implication des citoyens beaucoup plus généralisée, beaucoup plus systématisée dans la définition des politiques scientifiques, ça, moi, je pense que c'est une exigence éthique. Parce que les citoyens, quelque part, ils payent doublement. D'abord, ils payent avec leur sous-sous, avec leur pépette, c'est-à-dire que c'est leurs impôts qui payent aussi la science qui se fait, notamment dans le secteur public, évidemment. Mais en plus, ils payent les conséquences possiblement favorables ou défavorables de la constitution d'un savoir scientifique qui va se traduire en technique ou en technologie, comme René en avait parlé tout à l'heure. Et il y a beaucoup de cas bien documentés où, quelque part, ben, des citoyens, s'ils avaient eu l'opportunité, ce serait quand même insurgé que certains programmes de recherche aient été menés en connaissance du fait que les conséquences étaient envisageables. C'est-à-dire, évidemment, si on ne peut pas envisager les connaissances, ben, ça n'a pas trop d'intérêt. Et donc, j'aurais tendance à dire, vraiment, pour faire court, que sur des programmes de recherche dont on peut déjà anticiper des conséquences probables, je pense que c'est assez important d'intégrer les citoyens sur est-ce que c'est une priorité de constituer ce savoir, étant entendu que je vais peut-être en souffrir. Et ça, je pense que faire l'impasse de ça, c'est vraiment c'est sociétalement pas très intelligent. René, vous voulez réagir à cette... Oui, c'est ça. Donc c'est, quelque part, cette question-là, elle nous ramène à la question qu'on avait mise dans le bandeau, là, dans le petit chat ou dans le Google Lab, c'est de savoir est-ce que la science est éthiquement neutre, oui ou non. À partir du moment où elle ne l'est pas, je pense effectivement qu'il faut associer la société civile et le citoyen dans des décisions à prendre. Donc, comme disait Olivier, on ne va pas faire une science citoyenne pour construire le corpus de connaissances autour des ondes gravitationnelles, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais à partir du moment où il y a des décisions à prendre pour savoir comment est-ce qu'on va construire le savoir et éventuellement avec quel but on va construire quel savoir, là, effectivement, il faut élargir le débat et ne pas laisser les scientifiques dans leur tour d'ivoire. Ça a du sens. Ça a du sens. À partir du moment où il faut faire des choix. Tant qu'on n'oublie pas que la science n'est pas démocratique, dans le sens où ce n'est pas les peu nombreux qui ont raison, et qu'on ne vote pas pour décider quelle est la masse de Pluton. En revanche, on vote pour décider si Pluton est ou non une planète, donc on peut voter sur les définitions. Donc c'est trop complexe pour que je vous dise comment faire. En fait, je n'ai pas d'idée. Moi, je suis juste prudent dans la manière dont on veut mettre de la démocratie dans quelque chose où le nombre n'est pas forcément le critère. Ok, alors on a peut-être une petite dernière question qui pourrait servir de conclusion. Comment pensez-vous que tout cela va se terminer? Comment va-t-on sortir de tout cela? Alors, ah, très mal. En tout, de tout cela, je vous laisse les uns et les autres y mettre ce que vous voulez. Donc, mais voilà, qui se lance pour clôturer doucement? Moi, je suis optimiste par contrat. Je suis obligé de penser que ce que je fais a du sens, que vulgariser la pensée critique, ça marche, que c'est contagieux. Je dois me concentrer sur tous les messages. J'en reçois régulièrement de gens qui me disent merci à moi et aux autres collègues qui font une chaîne de vulgarisation parce que, visiblement, on a un effet sur la vie des gens et ça les aide. Alors, est-ce que c'est beaucoup de... Je suis obligé de croire ça parce que sinon, j'arrête tout. Parce que, voilà. On n'a pas les preuves que ce qu'on fait est efficace, mais on est obligé d'y croire. Et, et la science, c'est un pari. Si on ne cherche pas, on ne trouvera jamais. Hein. Donc, on est obligé de penser que et puis les croyances ont toujours été là, les conspirationnistes, les chasses aux sorcières, les rumeurs ont toujours existé, c'est pas nouveau. Juste là, on est dans une phase où ça s'accélère parce qu'on a des outils numériques qu'on apprend à utiliser. On a grandi avec, hein. Ils sont là depuis peu de temps. Voilà, on joue un petit peu avec les allumettes, on va se brûler, et j'ai bon espoir qu'on va apprendre à ne pas faire cramer la maison. Voilà, je suis optimiste, mais par contrat. René ? Oui, mais donc je ne sais pas vraiment comment répondre à cette question-là, parce que comment tout ça va se terminer ? Mais ben, je pense que ça ne va pas se terminer. Ça ne va pas se terminer. Par contre, c'est vrai qu'on vit peut-être maintenant un moment un peu singulier, à plus d'un titre. Bien sûr, il y a cette sacrée pandémie qui a quand même énormément agité le panier, si je puis dire. Il y a effectivement le web qui s'emballe.
Donc, il faut traverser cette période-là et on peut espérer, à travers justement des débats, des discussions, des cours, les formations, d'aller dans le bon sens qui est de redonner un peu de sagesse et surtout de mesure dans l'information qui est diffusée, qui est divulguée, la manière dont on raisonne, la manière dont on accueille une information et on la fait sienne. Donc, on peut être optimiste dans la mesure où on peut traverser cette… Voilà, je crois qu'il y a une œuvre utile à ce que les profs, les chercheurs, les journalistes et tout le monde rentrent dans un débat positif, qu'il ne soit pas dogmatique et qui permette effectivement de repérer là où il y a de vrais complots, où il y a de vraies conspirations, parce que ça peut effectivement, comme on l'a dit, exister, et puis là où des vérités alternatives n'auraient pas lieu d'être. Et donc, ça ne va pas s'arrêter. Hein. Comment tout ça va se terminer? Non, ça ne va pas se terminer, mais il faut qu'on avance. Merci René, et puis Olivier, pour clôturer. À votre micro, Olivier, votre micro. Je partage un certain optimisme, et je pense qu'il y a des raisons à cet optimisme. Ce n'est pas juste un optimisme béat ou parce que je suis une personne plutôt naturellement optimiste, mais d'abord un optimisme pourquoi. Donc, je ne pense pas effectivement qu'on va effacer l'anti-science, hein, je ne pense pas qu'on va la faire disparaître du globe quelque part, et ce n'est pas forcément intéressant d'arriver à ça. Ce que je pense qu'on peut faire, c'est en gérer les effets néfastes potentiels dans une démocratie par une sorte d'immunité grégaire. Si vous voulez. Si on est suffisamment de gens scientifiquement cultivés et au près à reconnaître la science quand on la voit et à distinguer la science de la non-science, je pense que quelque part l'anti-science va s'éteindre ou s'amoindrir d'elle-même. Et je pense que la raison pour laquelle je suis optimiste dans ce sens, c'est qu'il y a des études qui sont assez encourageantes. Il y a des études qui montrent que ce dont on a parlé avec René et Thomas notamment, apprendre de l'épistémologie à l'école, apprendre la zététique, ce genre de choses, on commence à avoir des premiers matériaux empiriques qui montrent que quelque part ça a un effet positif, qui montrent que quelque part les gens qui ont été confrontés à ça, ils sont plus résilients face à la pseudo-science, ils sont moins réceptifs au charlatanisme. Par exemple, il a été montré, je me permets quand même de le dire, que quand on a fait des études de philo, généralement, on est plus résilient aux pseudo-sciences que quand on a fait des études de sciences. C'est quelque chose que j'ai donné une fois de temps en temps. Mais au-delà de la blague et des études encourageantes, il y a également des programmes encourageants. C'est-à-dire que la Commission européenne, aux États-Unis également, en Belgique également, il y a des programmes qui se lancent de diagnostic de ce qui est en train de se passer et de mettre des mesures en œuvre et des mesures collectives. Je pense que c'est la question importante, avec doublé évidemment par des initiatives locales. Je pense que la conférence de ce soir en est un parfait exemple. Ce n'est pas quelque chose fondamentalement qu'on avait il y a 40 ans, on l'a maintenant aujourd'hui. Donc je pense que c'est un signe encourageant dans la bonne direction. Merci Olivier. Merci à tous les trois. Alors on a évidemment pas fait le tour de la question. On l'avait annoncé, on n'a pas pu répondre à l'entièreté des questions qui nous ont été posées. Mais c'est la loi du genre. Hein. Donc, c'était un plaisir de vous retrouver au nom de toute l'équipe interuniversitaire. C'est donc vous rappeler trois choses. D'abord, c'est le printemps des sciences pendant une semaine. Donc, il va se passer plein de choses en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, essayez de vous nourrir autant que possible. Malgré le contexte et l'absence d'activité en présentiel, exception faite de quelques balades scientifiques et autres. Donc vous pouvez voir tout le programme sur science.be. Je vous dire aussi qu'il y a le magazine Imagine qui était co-organisateur de ce débat aujourd'hui, magazine indépendant qui traite des questions d'écologie, de société, de relations nord-sud, qui s'inscrit dans un journalisme pour le coup qui défend la nuance, un journalisme apaisé, un journalisme à la fois critique et constructif qui essaye de réfléchir les mutations en cours et à venir. Donc n'hésitez pas à aller aussi visiter notre site www.imagine.com. magazine.com. Merci à Maxime, merci à toute l'équipe du réseau et surtout à nos trois invités. Merci aussi à Lise qui a pu croquer et avec beaucoup de plaisir. Vous pourrez retrouver tout cela évidemment sur l'enregistrement qui figurera sur YouTube, je pense. Hein, on partagera les dessins sur les réseaux. Oui, voilà. Et après, on pourra essayer de faire circuler évidemment cette petite story de notre soirée aujourd'hui. Ben, merci et passez une bonne soirée. Une page de publicité. Demain, en direct sur la tronche en biais, on va parler des pseudosciences sur l'autisme. Et vendredi, on va parler des sciences de la guerre et de la paix avec le Festival du Jubilé de Grenoble. On a une grosse semaine. Voilà. Ben alors, branchez-vous aussi, évidemment, sur la tronche en biais. Et
Bonne continuation à toutes et à tous et bonne soirée. Merci. Au nom du réseau interuniversitaire science.be, je tiens tout d'abord à remercier tous les intervenants de cette soirée. Si vous souhaitez continuer les réflexions menées ce soir, n'hésitez pas à consulter le magazine Imagine demain le monde, dont le numéro en cours traite spécifiquement de la thématique « La science à l'ère du soupçon ». Sur le site science.be, une page a été dédiée à la pensée critique. Il s'agit d'un dossier en cours de construction à destination essentiellement des professeurs du secondaire. Son objectif est simple, fournir toute une série de ressources, des activités, des grilles d'analyse pour aider dans la démarche de la pensée critique. Il devient de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux. Exercer sa pensée critique est donc essentiel et l'aisance de cette pratique devient une nécessité au vu de la quantité d'informations à traiter, toujours plus grande. Le printemps des sciences, c'est jusqu'au 28 mars. N'hésitez pas à aller sur science.be, que vous soyez professeur ou juste curieux, et quel que soit votre âge, vous pourrez certainement y trouver une activité qui vous intéresse. Et même si pour certaines d'entre elles il faudra s'inscrire, il est encore temps. Je vous souhaite une très très bonne soirée, faites de beaux rêves et à très bientôt.